Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en fait en France pour ce circuit de France organisé par le Cocooning. Je suis en compagnie de Balfrius. Bonsoir Balfrius. Est-ce que tu es content d'être sur le circuit Paul Ricard ce soir? C'est ça. Pour une fois, en fait, le Cocooning ne. Enfin. Les frais de trajet, de voyage, ça va être assez bon marché. On est content. Et ben en fait, la question, est-ce que les McLaren vont réussir à rester premières alors ce soir? Est-ce que les McLaren vont Mais on rester va voir le premiers? classement qui va apparaître en fait petit à petit là. Ouais, actuellement, c'est les McLaren qui sont devant avec 154 points, suivi des Racing Point et puis des Red Bull derrière là. Et les Ferrari qui sont un petit peu plus loin. Enfin, pas beaucoup plus non plus. Mais, non, intéressant. Et la première place, qui c'est qui va réussir à détrôner le fameux Cassis? C'est ça. Cassis et ses 119 points. Est-ce que tu en Cassis. penses? Est-ce que tu penses que ça va changer ce soir? Je pense qu'il peut avoir du mouvement constructeur, ça c'est sûr, c'est même garanti. Il y a quelques nouveaux pilotes qui vont nous rejoindre, en tout cas sur ces dernières courses de la saison, Oui, j'ai vu Dresi par exemple. Dresi qui va remplacer Crispi chez AlphaTauri. Il y a Sait qui remplace aussi Gocci chez Ferrari. Et nous avons Matu qu'on a pu voir en Ligue 2 qui va remplacer. Ah, Qui va c'est intéressant, de Katie nouvelles Alphatori, pardon. personnes en fait à regarder. Alors Cassis 119 points, suivi second de Payne qui est bien remonté. Nero est troisième à 94 points, suivi de Mack. Et après, un petit peu plus loin, on voit qu'il y a 30 points qui séparent Mack et Mars, hein, la quatrième et de la cinquième place. Donc, est-ce que Payne est là ce soir, donc est-ce qu'il va réussir à prendre la place de Cassis? Je peut-être pas ce soir, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Combien de Grands Prix il reste? Tac, 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 3, je Il crois. reste trois grands prix. Il reste la France, Ouais, le ben, Brésil et la Brésil et Chine. Chine. C'est ça. Exactement. Alors que là, on voit le classement des constructeurs avec les fameuses McLaren qui ont 154 points, juste 14 points d'avance en fait sur les Racing Point. Donc, tout est possible pour elle finalement. 14 points, c'est pas Ah grand-chose non, finalement. 14 points, c'est pas grand-chose. Et comme je vous avais dit, BWT, il va avoir quand même Cassis qui va, je pense, marquer encore de gros points. Et Dresi, qui je crois est un pilote prometteur, donc qui peut éventuellement aussi marquer un Rappelle-moi, point. Dresi, c'était pendant la première saison du Cocooning que Dresi était avec nous, la seconde. C'est ça, c'est la une des premières saisons. Dans les premières saisons. Alors je sais plus c'est laquelle Je crois exactement. que c'était La deuxième. la saison qui avait vu John Campbell remporter la compétition. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir revenir Dresi parce que on va voir en fait si le niveau a augmenté, tu vois, ça va nous permettre de voir comment ça s'est passé en fait. Parce qu'il avait un bon niveau à ce moment-là, Dresi. Il avait un bon niveau et du coup bah alors attention il va reprendre un baquet. On va voir comment ça va les premiers tours de roue, première course et Comment BWT ça du se coup passe la compétition? Trois qualifications ou une c'est ça. qualification longue? Trois qualifications Trois alors. qualifications. D'accord. Alors je vois que Lolo est dans le chat. Coucou Lolo, Salut coucou Lolo. Crispy. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez sorti les pop-corns. Ouais, c'est bien parce on est presque au complet d'ailleurs ce soir là. On est quasi au complet, 15 pilotes, c'est mieux que les derniers Grands Prix, on n'était pas nombreux, du coup là on a commencé, il nous manque allez je crois deux pilotes si je ne me trompe pas. Donc Intéressant. c'est pas mal, ça va nous montrer du beau spectacle et on a là une belle fourchette de pilotes donc ça va être intéressant de Bon, suivre tu ça. peux me dire, est-ce que Cassis va perdre sa place de leader sur ce Grand Prix? Sur ce Grand Prix, je sais pas. Moi, je dis Après, non. on regarde la météo, elle est un petit peu grise. Le temps est un peu maussade, effectivement. Donc, Effectivement. est-ce qu'ils ont prévu la pluie? Rappelons-nous que en Ligue 1, nous avons eu de la pluie. Pluie, beau temps, pluie. Donc, c'est un peu compliqué au niveau stratégie. Donc, est-ce qu'il va pas avoir ça aussi sur ce Grand Prix de la Ligue 1? Nous verrons en tout cas. Bah, parle-nous un petit peu de ce circuit, Paul Ricard. Alors, dis, à quoi il ressemble, ces fameuses bandes rouges, bleues là, qui se baladent Comment il est ce circuit? C'est juste les bandes, c'est juste pour rappeler l'odeur de la France. Hein, pas...
Après, Ah, c'est... comment dire? Non, je pense que ça use aussi. Il y a une texture qui use les pneus aussi, hein, sur ces bandes. C'est aussi fait pour ça, hein, ça zigouille un peu les pneus, quand même. Ah, le côté... les bandes bleues, oh, Ouais, les bandes bleues, c'est abrasif, ces je... trucs-là. Je pense que sous pluie, à mon avis, c'est moins abrasif et c'est plutôt glissant, en vrai. Ça sans doute aussi. Ça sans doute aussi. Mais en tout cas, ils sont pas lésinés sur la peinture, hein. Non, ils n'ont pas lésiné, hein, c'est clair. Ça, c'est impressionnant. Alors qu'on voit que le meilleur temps actuellement est occupé par Mac. Bravo à lui, j'ai les Mac. Mac, une 29 qui est combien, 4e ou 5e si je ne me trompe pas, qui n'est pas loin du peloton. Donc, de toute façon, je pense que Nero, Cassis, Payne et Mac vont devoir récupérer de gros points ce soir, hein, pour essayer de suivre le groupe, hein, de ce petit groupe qui peut gagner, qui ont tous une chance au moment de pouvoir gagner le championnat peut-être du Cocooning. Qui nous dit que les bandes bleues sont plus abrasives que les rouges. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une pierre ponce, je ne sais pas. Explique nous dit, désolé, j'arrive pas à voir le live de façon fluide avec mon téléphone. Ouais, c'est possible. Parce que je pense que on doit streamer en 1080p, peut-être là. Attends, je vais regarder. Ah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, non, sur mon retour, en tout cas, c'est fluide. J'ai pas de Ouais, problème là. non, de mon côté, ça marche aussi parfaitement. Non, c'est du 720p, mais je peux comprendre que sur téléphone, ça peut couper. Et pourquoi Crispy, merci d'être là. Alors. Et nous voyons Robin qui est en tour rapide, si je me trompe pas. Donc là, je vois que les temps à Venise, Ah, c'est Cassis qui a pris la première place à Mac. c'est ça. Mais de 3 dixièmes, donc ça va, c'est gérable. Une 30,04 de la part de Sight, une 30,143 de la part de Nero. Tous roulent En en tout soft. cas, si Mac nous fait un 1,29, ça veut dire qu'il a travaillé ce Grand Prix quand même. Cette semaine, il a dû travailler ce Grand Prix parce que c'est un bon temps. J'ai l'impression que 1,29, c'était peut-être sûr de passer en Q3. Je pense que c'est un bon niveau pour passer à l'étape suivante. Payne, on n'a pas vu encore rouler Payne. Drezi, je crois qu'il a eu un problème avec sa voiture, du coup qu'il ne pourra. Payne est au stand, effectivement, Drazy est au stand aussi. Ils n'ont pas cassé, ils attendent. Est-ce que j'ai l'impression que ça a quitté moi? Il me semble que Drezi a quitté la session. Ah, alors je vais tout de suite regarder s'il est là pour le réinviter. J'ai envoyé une invitation. C'est fait. Alors Lolo, est-ce que tes pronostics, est-ce que tu commences à avoir des pronostics ce soir? Ouais, ça va être dur. Moi, je pense que ça va être dur ce soir. On a vu qu'il y avait eu pas mal d'erreurs. Soit de stratégie ou soit de... Oh, Mars qui a abandonné. Soit de stratégie ou soit de... Ou soit d'erreur de pilotage sur la Ligue 2. Est-ce que ce sera pas la même chose ce soir en Ligue 1? À voir. Mais en vrai, j'ai bien hâte de voir ce Grand Prix. Il me tarde de voir ce Grand Prix. Et de voir qui va gagner ce GP. Et là, nous voyons Matou qui vient rouler en Ligue 1, qui aura peut-être sa place en Ligue 1 l'année prochaine. Très bon pilote. Qui a trouvé un baquet chez AlphaTauri. Qui a signé le 1.33.147. Cinquième position. Belle position d'ailleurs pour le premier GP, en tout cas de Matou là. Et voilà. Allez, on va aller sur Thomas. Thomas chez McLaren qui nous a fait deux derniers Grands Prix et très très intéressant, qui nous a montré du gros gros level, gros gros step-up du pilote Thomas. Voilà, tu avais raison, effectivement, Cassis avait Drézy avait un problème
Pour être dans le lobby dont j'ai réinvité, ça s'est arrangé. Hop là. Ok. Alors, qu'en est-il de la course? Alors du coup, je disais, là, on était sur Thomas. Thomas qui est en tour de sortie, qui a fait un gros step-up, hein, qui a bien augmenté son niveau, je trouve, en deux grands prix. Là, on l'a vu très très présent sur les grands prix. Est-ce qu'il peut être aussi... Décisif, tu veux dire. Est-ce qu'il Bah, peut en réussir tout cas, il est important à pour être lui. dans les trois premiers? Il l'a fait. Attends, comment ça s'est passé les... De toute façon, il est important pour Thomas et pour Nero de marquer le plus de points possible pour pouvoir gagner le championnat constructeur. En Hongrie, il avait été bon. Il était arrivé troisième en Hongrie. Et puis aussi en Belgique, là, la semaine dernière, en fait, il était troisième aussi. Il s'est très bien débrouillé aussi. Ouais, puis il y a un Grand Prix où il avait eu, enfin, où il y a eu un petit, un petit accrochage, du coup c'est qu'il avait perdu pas mal de place. Mais non, hein, je crois Bref, qu'il... d'abord, comment dire, il y a eu Monaco où il a dû abandonner. Donc ça l'a un peu, c'est un peu mis derrière. Allez, on va voir son tour de sortie. Alors, que j'invite Mars. Mars aussi qui a crash. Voilà, c'est fait. Ah, je vais vérifier que Mars, ça se soit bien passé. Je te laisse une seconde. Ok. Nero qui est 4e pour l'instant, qui n'améliorera pas son temps au secteur 2. Sait qui n'améliorera pas, qui a plus de 2 secondes aussi. Rodgen qui est 7e pour le moment, 1.31.060. Et Robin qui améliore secteur 1. Allez, Robin qui améliore son secteur 1. Attention, une petite glissade là. Allez, c'est annulé pour Robin. Rimano. Allez, Joe qui est 11e. Moins 10 secondes qui améliore. 1.31.642 qui passe 8e, qui passe devant Robin du coup. Et Drezy qui fait son tour rapide aussi. Alors, on va voir le nouveau pilote Drezy. Allez, 1.32.3, 1.33 de Drézy, 1.33.235. Ah, d'avoir réussi à tomber le 1,29, ils ont que 2 finalement. Il y a Cassis c'est Mac. Hein. Ils sont que de Sight et à quelques Ouais, centièmes. d'accord. Mac devant Sait. Mais après, je sais pas si Sait a beaucoup révisé le Grand Prix. Parce que je sais pas s'il avait prévu de le faire. Parce que lui, Ah, il fait toujours en bon temps quand même. ça 1,30. fait aussi, je pense que ça fait un... Deux ou trois joueurs qui sont en train de s'entraîner, donc Ouais, qui l'a travaillé avec ses collègues, d'accord. avec Gorgan. Donc là pour l'instant, tout le monde, du coup, si je ne me trompe pas, tout le monde sera qualifié puisqu'il y a 15 pilotes. Donc les 15 pilotes seront qualifiés. Il manque plus que Payne qui n'a pas encore roulé. Allez, Payne, je crois qu'il va. Il va partir. Là, on voit Rodegan au stand. Rodegan. Robin qui n'améliorera pas non plus son tour. Qui a plus une demi-seconde quasiment. Joe qui améliore de plus une demi-seconde. Et Payne qui part pas. Payne qui part pas, qui y aura en atelier. Saïd qui me demande de l'inviter. Je trouve que beaucoup de monde a des problèmes de cou. Alors. Alors, si vous entendez les petits cucus ou un bébé parler, C'est normal. Joe Tricol, du coup, qui est en rouge. Qui est en rouge, ça ne passera pas pour ce tour-là. Et là, je pense qu'on va en terminer là, 2 minutes 52. Drezy qui fait un tour.
et nous faire peut-être un tour rapide. Nero Thomas Matu serait mon idéal, mais bon, il y a des très bons pilotes à côté. Ouais, clairement. Ça va pas être évident. Parce que là, quand on voit la différence de temps, on est. Allez. Ah, on a vu plus proche hein, sur les autres Grands Prix, on a vu plus proche pour le moment. Normalement, on est sur les 10 premiers faciles, on est dans la 1 seconde. Et là, on voit que sur les 10 premiers, on est à 3 secondes. Donc là, une petite différence de niveau quand même entre les pilotes. Hop. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu de pluie. Je vois les nuages gris là, grisonnants de CGP de France. Je ne sais pas quelle météo il y aura. Est-ce que vous avez des informations sur la météo sur le chat du Grand Prix? Et là, c'est pas de Ouais, pluie. Ah. les pilotes qui ont différents problèmes avec le jeu, à chaque fois ils déco. Là, c'était le tour de Sainte, là, tu vois. Ah, d'ailleurs, Payne vient d'abandonner la session, donc je sais pas, c'est qu'il a un problème aussi. Astrid, Je me préparais tu vas faire que ça de la lui soirée. envoyer un message pour l'inviter. Beau temps pour la course. Du coup, beau temps pour la course, Astro. Du coup, pas de pluie. Dommage. Bah écoute, ouais, mais c'est pas plus mal. Pas plus mal. Et je disais que sur les 10 premiers, là, il y a 3 secondes de différence, donc on n'est pas habitué à ça. Normalement, c'est plus la seconde hein, de différence. Ils sont plus dans une fourchette de 1 seconde de différence. Là, 3 secondes, mais bon, on n'est qu'en Hein. Q1. C'est vrai que effectivement, c'est pas mal, 3 secondes. On est plus habitué à les voir plus serrés que ça, Ah oui. effectivement. Surtout avec cette nouvelle formule, avec des voitures réalistes, C'est ça. les différences entre les pilotes avaient tendance à être plus minimes, effectivement. C'est ça. Et du coup, après, c'est que la Q1, donc je pense qu'il y en a qui ont laissé un peu de gaz sous la pédale. Ouais, mais attends, en Q1, on va en perdre combien? Parce On va que. perdre aucun. Non, on va juste en perdre. Ils sont 16? Non, on va pas en perdre, d'accord. On peut en perdre prochain, par contre. Donc là, on va dire que c'était pour la chauffe. Ouais, il s'agissait juste de pas casser la voiture, quoi. C'est ça. Il fallait pas casser la voiture, puis il fallait repartir sur de bons rails. Oula. Pourquoi je vois Lewis Hamilton, George Russell, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi. Giovinazzi. Ouais, c'est bon, ça passe. Donc, pas de temps de Drezi, pas de temps de paye non plus. Ouais, c'est ça. Je vais lui demander Payne si ça se passe bien pour lui. Je regarde si je le vois dans le lobby. Pourquoi? Pour aller lui parler. Je vous laisse. Je vais aller lui demander. Cassis premier. Ah, je pense que là, Mac. Mac, il est pas loin de Cassis. Hein. S'il arrive à le coller, là, à le suivre, si ça bouge pas, en vrai, y a moyen. Mais ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Moi, je l'aime bien ce Grand Prix de France quand même. Je trouve qu'il est. Il y en a un peu pour tout le monde, tu vois. C'est pour ça. Moi, je trouve qu'il va être agréable à regarder. En plus, ce que je trouve bien, c'est qu'ils sont nombreux ce soir. En fait, ils sont presque tous là, finalement. Et c'est intéressant. On n'a pas idée, en fait, comment ça va se passer, en fait, le championnat du cocooning cet été ou à l'automne. Encore peut-être un petit peu trop tôt, en fait, pour avoir une. Bah déjà il faudra attendre qu'on a le F1 2021 et ensuite on fera les inscriptions. En fait ce On qu'il a faut des idées c'est... sur la date de sortie du F1 2021? Oh, ouais c'est dans un mois et demi je crois. Quelque chose comme ça. Oui je sais plus la date exactement mais ouais on en a la date. L'année dernière, il avait sorti en août de mémoire. Ouais mais là ils sont en juillet. Il sort en juillet, d'accord. Mi-juillet. D'accord. Et du coup bah l'idée c'est que bah si il y aura un avancement entre intersaison, hein, on va déjà pouvoir faire les grilles de Ligue 1 et commencer les grilles de Ligue 2. Et bah, tous les autres tous les joueurs qui rejoindront du coup bah, rempliront les ligues au fur et à mesure en fait. Grosso Je modo, ça va se comprends. passer comme ça. Je comprends.
Des infos sur les éventuels bugs provenant, ils ont pas encore communiqué sur les différents bugs arrangés et compagnie, quoi. Sur les bugs. Bah ouais, sur les différents bugs de F1 2020, il n'y a pas eu de communication sur les changements qui ont été apportés. En fait, ils veulent, pardon, ils veulent modifier, je pense, les choses que tu peux faire dans le lobby de création de partie. Donc, peut-être qu'il y aura des améliorations vis-à-vis de ça. Donc, à voir. Pour l'instant, on n'a pas plus de news que ça. En fait, ils ont juste parlé beaucoup du solo. Enfin, j'ai vu Ouais, quelques. d'accord. Ils ont pas trop parlé de, ouais, de correction de jeu. Bon, tout le monde est dans la Q2, j'ai l'impression qu'on a oublié personne là. C'est bon. Et là, on voit Rimano avec sa Renault qui est parti en tour de sortie avec des pneus soft. Donc c'est là où ça ne blague plus, là il faut faire des temps. Du coup, Payne, il n'avait pas eu de problème. Non, il a fait comment dire, il a déco, mais vu qu'il se retrouve quand même en Q2, il m'a dit c'est bon, pas de problème. Ok. Et déjà un drapeau jaune. Lolo qui nous dit mi-juillet pour la sortie de F1 C'est 2021. ça, ma D'accord. mi-juillet. D'accord. Donc en attendant, on fera sûrement des endurances sur Assetto Corsa. D'accord. Allez, on va Moi, suivre. je suis en train de suivre Cassis là. Je regarde comment il se débrouille. Cassis quand on est en tour de sortie. Et moi je vais suivre Rimano pour le moment. Qui est sur la fin du secteur, si je ne me trompe pas. Hop, télémétrie. Voilà. Et voilà, Rimano qui va faire son tour rapide. Premier temps de Rimano pour l'instant. Mars qui va commencer son Q1, tour on a vu rapide. que Cassis en fait maîtrisait quand même bien ce circuit. Thomas Il a aussi fait le qui est meilleur temps. tour rapide. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont en tour rapide. Hein. Beaucoup de personnes qui sont en tour rapide. Allez, déjà premier temps de Mac. 1:31.154. Robin, 1:31.462. Mais enfin, je sais pas si ça les. Remarque, j'ai pas vu les pneus. Attends, est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'ils sont partis sur des M? Ouais, ils sont partis sur du médium, la plupart. Ouais, ils sont partis sur du médium. Robin est parti en soft, mais Matou et Max sont partis en médium. C'est pas un peu audacieux là, cette stratégie de partir en médium là, pour la Q2, on n'a pas peur Non, de. je pense que c'est une bonne idée puisque il y avait des personnes qui étaient en 1:32, Ouais, ce qu'ils1:33, se je sont dit, hein, crois. ils se sont Donc dit, de toute manière, il y en aura trois qui n'auront pas le droit de participer pourquoi pas à la Q. passer. Je pense que 1:30, ça peut passer. Hein. 1:30, moi. 1:30, là je pense que Mac 1:31.154, va falloir quand même aller chercher. Je pense Mais qu'il est il va pas mal. falloir quand même aller chercher un petit peu plus que ça, quoi. Et la Peine qui a fait son tour rapide en 1:30.538 avec ses pneus médiums. Est-ce qu'il est meilleur là? Ah, je regarde Natou piloter puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir piloter. Il vient de faire un temps qui est pas mal, hein, Non, une pas 31 439. pas C'est plutôt bien fait. ah, est-ce que je peux ah voilà c'est ça que je voulais voilà pardon je voulais mettre les kilomètres heure et Cassis qui vient de faire un temps en 1:29.628 Ah ouais, là, il donc coiffe tout le monde, là. Mais il a pris des S aussi, hein. il a pris des S donc il a décidé de sortir ses S je pense que ce sera son seul run de la soirée enfin seul run en tout cas en Q2. Il assure sa place, je pense, pour passer en Q1, parce qu'à mon avis, le 1:29 va être très dur à mettre en place. Donc je pense qu'il assure. Il fait son run et il va rentrer au bercail.
Mack qui améliorera pas, qui est toujours dans le même temps en secteur 2. Matu qui n'y améliorera pas non plus. Sai qui est en tour de sortie, qui va faire son tour rapide. Rezi qui est en tour rapide. Ah, Drezi qui ne passera pas. De toute façon, pas se gêner. Voilà, Joker en secteur 2. Qui prend. Qui a pris l'aspiration sur son collègue. Ouais, je regarde Joe pour voir comment il s'en sort sur ce circuit. Ah, Joe qui a grillé le stop feu rouge sur le côté, donc c'est râpé pour lui. Mais c'est râpé, ouais, c'est ça. C'est râpé pour lui. Cassis qui devrait rentrer, je pense, au stand. Cassis, Matu qui est en tour. Non, Sait qui est en tour de sortie, on va suivre Sait, secteur 1, qui commence en tour rapide. Qui part en pneu médium. Alors attention à ce. Bah, le problème, ce qu'il y a, c'est que si tout le monde part en médium, il y en a forcément qui vont se ravoir. Il y en a forcément qui vont se ravoir, donc attention à ne pas se faire avoir. Oh, j'ai confiance pour Sait, sur Sait pour sortir son épingle du jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence qu'il y a entre Sait et Pain. On a vu que sur. Pain n'a pas fait de temps sur la Q3. Sur la Q1, je veux dire. Ouais. C'est exact. Pour l'instant, il se débrouille bien. Je pense qu'il a fait un bon chrono au site. Ah, pour l'instant, il fait un bon chrono, là, ouais. Tout à fait. On a vu qu'il a amélioré, là. Il avait le violet, il avait un secteur violet. Premier secteur. Exactement. Il a le médium, du coup il fera pas sûrement le meilleur temps, mais il va les taper les. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite glissade là. Une 26. Ah, une 30. Une 31. Une 31, 0,21. Une petite 31. Donc c'est pour ça que je disais une 30. Je pense que une 31, 0,21 pneu médium, c'est pas mal. Vraiment, on est pas mal. Et regarde Mack avec sa Red Bull, ah, parce que en Q1 c'était pareil, ils étaient côte à côte. Je crois que c'était Mack qui avait une dixième d'avance sur Sait. C'était Cassis et Mack. Ouais, c'était Mack qui avait l'avance d'une dixième. Là, sur la Q2, c'est Sait qui a l'avance d'une dixième. On voit que Sait tourne sur cette formule-là à la même vitesse que Mack. C'était Mack qui était devant. Exactement, ouais, d'une dixième. T'es sûr de ça? Parce que je crois que c'était un dixième Cassis et Mack. Mais Mack Sait, je crois que c'était plus. C'était trois dixièmes. Enfin bref. Mais c'était pas lent quoi. Je peux me tromper. On va voir dans le chat, peut-être qu'ils s'en souviennent. En tout cas, c'est Rimano qui se débrouille pas trop mal là. Hein, une 30, mais c'est remarquable. Et Rimano ouais, qui a fait un bon. Alors bon, il a chaussé les S pour se donner toutes les chances de faire un bon temps, mais ça, il y est arrivé. Mars, j'ai l'impression qu'il a eu un problème. Alors Mars, je sais pas s'il a eu un problème de jeu ou de... Ou s'il s'est crashé. Ou s'il a fait crasher. Parce que là, c'est marqué... je sais pas si c'est acquitté ou abandonné la session. Ce serait dommage en tout cas s'il avait cassé... Mars. Je vais voir si c'est un problème de jeu. Ouais, ok, quand même. Je pense. Je sais pas si t'as envoyé un message ou pas. Ouais, sans pas de message, mais je vais revoir déjà le réinviter. Ouh, Robin qui est troisième pour le moment, qui grille la priorité à son coéquipier. Et Rodgan qui n'est toujours pas sorti. Joe qui est en tour de sortie. Alors ça coupe. Ça coupe beaucoup même. Pour l'instant, il y a trois relégables, ça serait Mars, Drazy et Joe. Mars, du coup, il a eu un problème.
Il m'a pas envoyé de message pour le réinviter, donc j'imagine que D'accord. Du coup, il a dû il en casser. enverra un s'il a Il a besoin. dû. Et man, Joe non plus qui va pas avoir de temps sur ce coup-ci. Dommage. Ah si, Joe, il pouvait avoir un temps, hein. Il est en tour de sortie là. Il lui reste 3 minutes pour arriver à avoir un temps. Je pense même qu'il peut prendre des softs pour. Ah ouais, non, c'est trop tard. Il va faire un tour en médium. Il tente le médium. Joe qui tente le médium. Attention, parce que là il reste plus que 3 minutes, il n'aura pas d'autre occasion de pouvoir faire un autre temps. Alors, en tout cas de chausser des softs. Donc là, il a intérêt de gérer son Il aurait tour. peut-être dû, il aurait peut-être dû chausser des softs. S'il se sent la possibilité de faire moins que les 10 premiers, c'est toujours intéressant, mais il faut en être sûr. Hein. On voit que On est là sûr, quoi, tu vois. l'écart, il s'est quand même rabaissé d'un tout petit peu. On n'est plus qu'à 2 secondes sur les 10 premiers. Donc, t'es à 3 secondes. Donc, on gagne une seconde. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'écart s'est resserré. On avait un petit peu la pression, mais c'est sur les 9 premiers. Là, on va voir Joe s'il réussit à avoir un temps en fait à la fin. Pour l'instant, il s'est fait avoir les deux fois. À chaque fois, en fait, son tour a été disqualifié. Rodgan qui ne sort toujours pas. Attention, ça peut. On sait que Mars sera disqualifié. Enfin, on ne passera pas en tout cas à la Q3. Joe qui doit faire un tour rapide. Et surtout pas faire d'erreur. Après, il peut refaire un tour. Hein. Il pourra refaire un tour rapide. C'est pas le souci. Je pense qu'il aura le temps d'en faire un dernier, ouais. Ah, je pense qu'il va être loin. Hein. À mon avis, il risque d'être loin. Une 23, il va passer le 1:33:32. C'est-à-dire qu'il veut assurer, il veut au moins avoir Ah, un temps. quoique. On va voir Quoique. ça. Ah, si, 32, 33. Ah, Ah, 32. dommage, il est 32. loin. Eh, ça passe juste, hein, pour le moment, ça passe juste. Il est 10, il est 10e. Rodgan qui ne sort pas. Rodgan qui. Ah, si, qu'un tour de sortie, pardon. Désolé. J'avais pas vu qu'il était en tour de sortie, qu'un tour rapide. Alors attention, c'est la place qui part aussi en médium, qui chose des médiums. C'est peut-être là que ça va se jouer. Est-ce que Rose ou Joe va prendre la place pour passer en Q3? C'est une grosse bataille entre ces deux pilotes, on le sait. Secteur, il améliore pas. Il améliore pas pour l'instant Rogan. Joe. Rod, si, par contre, hein, une belle partie en violet là. Le premier secteur, ça a été une réussite. C'est ça. C'est ce qu'il n'a pas fait de tour. Hein. Attention, il n'a pas fait de tour, c'est normal. Joe qui va nous taper du 51 889 secteur 3. 51 889, on va regarder Rod. Du coup, 51 889 sur secteur 3. Qui a fait mieux, je crois. Rodgen qui fait mieux là. De pas grand chose, mais je crois qu'il fait mieux. Hein. Il est en avance par rapport à Joe. Et là, il n'y aura pas le temps de refaire un tour pour Joe. Ah, quoique. Ah, il aura le temps de refaire un tour pour Joe. Il a le temps de refaire un tour, Joe. Oui, il a le temps de refaire un tour, Joe. Joe a le temps de refaire un tour. Est-ce que Rodgan va être devant? On va voir Ça ça. devrait passer pour Rodgan, de pas grand Ça chose. va le faire. Ouh, ça passe pour Rodgan. Mais attendez, Joe qui est en tour rapide. Alors est-ce qu'il a annulé son tour rapide ou pas? Parce qu'il peut passer encore. Il peut passer encore devant Thomas. Ah Ah non, il a non, il a annulé, annulé son c'est tour. Oh terminé non, pour Joe. il a mordu le virage. Ah là là là, terminé pour Joe, dommage. Ah, c'était risqué de chausser ses Ouais, il médiums. était un peu greedy sur le virage, là, et paf, ça l'a pas. C'était chaud. Bien joué, Cassis Rimano. Cassis Payne, Robin. Robin qui fait une belle troisième place, hein, qui a assuré sa troisième place. Et là, c'est là que. Ouais, 3 secondes. Donc on avait dit 3 secondes, donc c'est ça, 3 secondes. Mais il a eu quand même le flair, hein, Thomas. Il est pas ressorti. Il a 2 secondes. C'était risqué quand même. Moi, je Moi, pensais il doit qu'il. pas être tranquille. Moi, je pensais. Je pensais qu'il allait se faire.
Oui, il doit pas être tranquille. J'ai pensé qu'il allait se faire avoir. Je sais pas quel peut être le temps de Drazy, on va voir. On va voir. Il va arriver. Il donne tout sur cette BWT. Je sais pas s'il aura le temps de faire un temps. Oh, si, quand même. Ah si, il aura le temps de faire un temps. Et là, c'est limite. T'imagines s'il prend le temps de. Ce serait fort. Non, tu as pas de temps. Non, il n'y a pas le temps, il reste une 13. Il n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est Ah, c'est terminé pour dommage. Jay-Z. C'est dommage. Joker repart au stand. Et là, ça se dessine. Hein. Ah, je suis. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la qualification, la Ouais, je dernière. pense que la Q3, ça va être. Il va y avoir de la bagarre. Oh, je Là, pense, ouais. c'est. Ouais, je pense. Quand tu vois le nombre de personnes qui sont dans la ligne 31, là. Oh. Ouais, dans l'une 31, là, on est. Il y a quand même un gros paquet. On va se bagarrer bec et ongles. Ouais, c'est ça. Et tiens, on pourrait interviewer Joe. On peut interviewer Joe, Mars, Drezy, comme tu veux. On peut Ouais, tous interviewer si tu veux. effectivement. Il y a Joe, il y a Mars, il y a Drazy. Ah bah tiens, joue à Joe, je vais aller lui Allez. demander s'il veut bien qu'on l'interviewe. Allez, c'est parti. Interview de Joe Tricker, AlphaTauri, qui était ancien pilote de Ligue 2. Ah, pardon, j'ai juste un quelque chose vite fait. Désolé pour ce joli petit caca. Alors que j'ai croisé Joe dans les couloirs des stands, salut Joe, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que t'en penses de ce Grand Prix de France? Qu'est-ce que t'en penses? Le circuit du Paul Ricard est un très beau tracé malgré que cette ligne droite du Mistral soit coupée par ces chicanes. Mais bon, du coup, c'est je pense que c'est pour aussi des questions de sécurité par rapport aux vitesses de pointe qu'on peut atteindre en Formule 1. Après, c'est vrai que ce qu'on pourra regretter, c'est peut-être qu'il n'y ait pas assez de bac à sable ou de enfin, d'herbe. Que bah, du coup, si un pilote fait une erreur, bah, il peut se rattraper plutôt facilement. Mais sinon, il a son petit charme quand même. Il a son petit charme. Il est plutôt atypique. Je dirais que c'est un mélange de Silverstone et de Monza. Parce qu'il y a quand même de grosses pleines charges. Et en même temps, il y a des virages bien techniques. Après, voilà, l'AlphaTauri, je pense, a du potentiel. J'ai peut-être pas trouvé encore les meilleurs réglages. Mais voilà, je pense qu'avec Vu la que tu coupe prenais en fait électrique. dans ces qualifications pas mal de pénalités, tu trouves que ça c'est très facile de se prendre une pénalité sur ce circuit? Ouais, c'est très. Oui, c'est là, ça va être pire que sur d'autres circuits comme Spa-Francorchamps ou Monza, parce que comme je l'ai dit, il y a. Enfin, en fait, il n'y a que de l'asphalte. Donc, littéralement, même si on veut faire un déplacement ou quoi que ce soit, ouais, je pense que les pénalités vont très très vite tomber Ouais, ça peut avoir quelques et. Ça peut répercussions avoir sur le gros. classement de fin, Ouais. ça. Oui, c'est sûr qu'il y aura des incidences. Des Quel est ton incidences, objectif pardon. sur ce circuit? Ah, on va miser comme à Monza, on va viser P7 P8. P7, P8, Ouais, d'accord. on va voir. Après, voilà, comme j'ai dit, enfin, je pense que vous l'avez vu aussi. Je suis pas super content du comportement de la voiture. Je pense que c'est moi qui ai pas trouvé les bons réglages encore. Mais voilà, on va essayer quand même de ramener quelques points. Profiter aussi peut-être de la folie du départ, hein, parce qu'on sait que le premier virage, Oh, il on le peut se sent. passer des choses. Ouais, parce que vous êtes nombreux, ça peut être Alors, on est impressionnant. nombreux, tout le monde a le désir de la victoire. Voilà, donc à un moment, faut. Moi, je vais essayer de prendre mon mal en patience pour essayer de déboîter certains pilotes. Voilà, et de profiter des erreurs que vont commettre d'autres. Pourquoi pas? Exactement. Après, voilà, là, il y en a qui ont l'air d'être vraiment bien revenu, je pense surtout au Ferrari où Sainz remplace Gocci exceptionnellement pour ce Grand Prix. Mais Rod tourne aussi très bien. Voilà, après, je pense que pendant la course, on peut avoir de belles surprises et je pense que c'est un peu ça ce que vous attendez de votre part aussi.
C'est pas faux, c'est pas faux. Hop là. Alors, mais je vois Même que beaucoup de problèmes sur le jeu. Hop là. Ah, Alors. problème encore? Ouais, tout à fait. Là, c'est Mars qui a un problème de déco. Hop là, voilà, l'invitation est renvoyée, c'est fait. Hop là. C'est fait. Et ton côté Balfrus, des questions à poser à Joe? Question, oui, ta nomination du coup chez AlphaTauri du coup en Ligue 1 du coup elle a été vous avez été je pense surpris du coup ou comment vous l'avez vécu? Il me semble que vous m'avez déjà posé la Ah oui, question. tu aurais peut-être bien. Oui, ce que je vous ai dit la semaine dernière, je crois. La semaine dernière, non, j'étais pas là exceptionnellement. Ah bah non, alors je m'en Ah, mais rappelle moi pas. j'ai peut-être pas entendu la réponse, du moins. Alors, elle m'intéresse cette réponse. Qu'est-ce que vous a... Comment ça s'est passé alors, du coup? Ah bah ça s'est passé, on va dire, de façon très solennelle, hein. C'est-à-dire que j'ai su démontrer mes performances en Ligue 2. Puis bah, AlphaTauri m'a contacté en disant que voilà, il y avait un baquet qui allait se libérer incessamment sous peu. J'ai fait quelques séances d'essai avec eux pour un peu me familiariser avec la monoplace, son comportement, etc. Mais en tout cas, c'est une écurie qui accueille les bras ouverts. Et en tout cas, on sent que voilà, il n'y a pas de. Ils jouent pas la gagne non plus, mais ils en ont envie et ils font tout pour qu'on y arrive en tout cas. Bravo, Donc. bravo, bravo pour cet esprit. Eh C'est bien, en ça. tout cas, merci, merci pour cette interview, Joe. Mais de rien. Merci à vous. Et on va te souhaiter en fait une belle course, une bonne course. De quel côté en fait tu veux que je te migre, Joe? Dans quelle écurie tu veux que Chez je te migre? AlphaTauri, du coup. Allez, eh bien c'est Oh. parti. Je t'envoie chez AlphaTauri. Bonne Merci chance bien. et j'espère que cette P7 P8 te tendra les bras. Eh Bye bien, bye. Bonne chance, bon j'espère. courage. Merci, au revoir. Payne qui prend C'est le fait. premier temps à une 29,91. Cassis qui est à un dixième quasiment de Payne. Mac qui est à une demi-seconde, qui a eu dû avoir un problème ou qui a abandonné la session. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Thomas qui a une seconde. Je pense que ça va se resserrer entre Thomas, Rodgan et Robin. Ça devrait se resserrer, je pense. Nero qui n'a pas encore roulé. Ça qui est en tout rapide qu'on va suivre. Mais là, ça c'était pas loin de 1,28, hein. On n'était pas loin. D'ailleurs, ah non, il est. Est-ce qu'il est un tour rapide encore? Je crois qu'il est un tour rapide encore. Pas beaucoup à réussir à toucher le 1,29. Hein. Non. Mais Là, ils donnent tous les pilotes. Hein. Là, les pilotes, ils s'en font les ballons. Là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Hein. Ah, il faut, hein, parce que là, c'est les moindres points que vous allez récupérer. Là, seront très importants pour ce championnat. Il reste plus que trois Grands Prix, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est. Ouais, et puis c'est serré sur les. On voit que sur les quatre premiers, là, c'est serré. Puis. Et voilà, Cassis qui prend le meilleur temps, qui prend la pole là. Ouais, j'ai l'impression qu'il est OK hein, sur ce. Il le connaît, ce circuit. Hein. Une 29-0-43, le 1,28, est-ce qu'ils vont être établis avant la fin de cette Q3? Et tu vois, je parle beaucoup des quatre premiers, là, Cassis, Payne, Nero et Mac, qui sont à la bagarre. Mais derrière, là, si on regarde le 5e, 6e, 8e, il y a Mars, il y a Rod, il y a Thomas qui sont 63, 61, 60 points. Donc tu Ah oui, vois, Mars c'est. 63, Rod 61, Thomas 60. Tu peux être sûr qu'ils sont à la bagarre. Un peu plus loin, Gocci, Sait, Ross, Rimano, ils sont dans les 30-35 points tous, tu vois. Donc c'est marrant en fait. Ah, pas Gauthier. Comme tous les. Je trouve que tous les pilotes ont un challenger finalement. Ah oui, mais par Tu contre, vois, ouais. quelqu'un pour se bagarrer. Dans la grille, quoi. À part, C'est ça. il y a Cassis qui a 20 points devant tout le monde là. J'espère que ça va, tu vois, que ça va s'équilibrer un petit peu plus pour qu'il y ait de nouveau de la compétition parce que c'est ça qui est bien à chaque fois dans chaque tournoi du cocooning. En tout cas, les deux premiers qu'on a vus, la victoire se décidait au dernier Grand Prix, tu vois. C'est ça, mais là je pense que ça va être pareil. Hein. C'était Mais là le au problème. dernier virage, tu vois. Mais là le truc qu'il y a, c'est que. Bah, Cassis il a perdu pas mal de points au dernier Grand Prix, donc ça a un peu relancé le championnat. Mais Ouais, c'est pas faux, c'est là pas c'est faux. pas que un pilote, le problème c'est que c'est quatre pilotes qui suivent qui sont très proches aussi derrière. Donc attention, hein. Chaque erreur que vont faire ces pilotes-là risque d'être compliqué à récupérer. Voire irrécupérable maintenant. Mais là le championnat constructeur aussi est serré.
Oui. Du côté du championnat constructeur, effectivement, tout est à gagner là. Sait qui finit son tour rapide à ce qu'il va taper les 1,29. Ah, ça va être chaud, je crois. 1,29, ça passe. Elle est 1,29,470. Troisième temps. Troisième temps pour Sait. Et là, nous allons voir Matou qui est en train de finir son secteur 3. Si je me trompe pas, ouais, c'est oui, ça. tout à fait. Il est à la fin du secteur 3 pour l'instant. Qui est en tour rapide. Ça se passe plutôt bien. On va voir son tour. Matou qui devrait faire un bon petit 1,29 aussi, j'ai l'impression là. Voilà, 1,29, 541 qui est quatrième. Oh, il est oh quatrième, Matou. Oh là là, il doit être content de son temps là. Là, il doit être content de lui. 1,29. Ouh, là, par contre, attention. Matou qui. Ah, je l'attendais pas à ce niveau-là, Matou là. Premier Grand Prix qui fait quatrième, qui annonce quatrième le pas. Place, il doit être content. Qui monte le pas. Ah, bravo à lui. Nero qui est à 1 seconde. Qui devrait, je pense. Alors, est-ce qu'il va améliorer? Avec Thomas, qui est ici à 1 seconde. Est-ce qu'ils vont améliorer ces pilotes-là? Ou. Alors, je crois que j'ai eu un problème. Parce que là, il me disait moins de 5 secondes d'amélioration. Alors, soit il est une fusée, Nero, ou soit j'ai eu un bug d'écran. Non, du côté de Nero, là, son tour est disqualifié, malheureusement. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, oui. Bah oui, c'est pour ça qu'il a eu moins 5 secondes. Ok. J'avais pas compris ça. Rimano, qui est pour l'instant 8ème, qui est en 32. Avec sa petite Renault, tout à fait. Secteur 1 qui est en train d'essayer de faire un tour rapide. Thomas qui a dû avoir une déconnexion, je pense. Robin qui abandonne la session. J'espère que ça va pas arriver en Grand Prix. Hein. Parce que là, c'est compliqué. Et ça, je vais redemander des informations sur ce qui s'est passé. Ah, il revient, c'est bon, Thomas il revient. Mais je sais pas s'il peut revenir par contre. De toute façon, s'il a un problème, il rappelle. Thomas rejoint, c'est bon, Thomas rejoint. Allez, Rimano. Ouais, j'allais l'inviter dans le lobby. Metsu, il reste plus qu'une minute. Une minute et les affaires sont faites. Est-ce qu'il l'améliore, Rimano? Un Nero hein, qui part 6ème avec 7ème Thomas derrière lui. Je pensais qu'il aurait pu améliorer, mais visiblement. Allez, Rimano qui va se lancer pour un tour rapide. Il est sur un bon temps, Rogan. 1,22. J'ai l'impression qu'il maîtrise bien sa course. Ah, hein. C'est pas loin des 1,29, je pense. Allez, une 30, qui améliore, qui est 9ème. Qui est 1 seconde 4 des premiers, qui est 9ème. Je sais pas s'il va pouvoir améliorer encore. Allez, Rimano qui pour l'instant, secteur 2, n'améliore pas. Ah, par contre, je compte. Tour de sortie, ça ne passera pas. Je vois que tout le monde est en train de faire du rodéo là sur le circuit du Castellet. Ça ne passera pas. Ah là, ça fait du rodéo sur les questions de la France. Allez, secteur 3 qui améliore. Rimano qui améliore. De pas grand chose, mais il améliore. Il y a quand même une différence. Il reste 3 centièmes. Rogue Payne est en train d'essayer de prendre la première place là. Non, normalement c'est terminé. Ils peuvent pas faire de tour rapide. Ils ont le Parce drapeau à il est à fond. Allez, Rimano qui va taper peut-être les 1,29. Ouh, il gagne une place sur Thomas. Il s'insère entre les McLaren Rimano au dernier moment. Alors, Rogue Payne, c'est terminé.
Allez, Cassis du coup qui part en pole avec Payne, suivi de Sait, Matu, Mac, Nero, Rimano, Thomas, Rodgan, Robin seront les 10 premiers en liste à partir sur la grille de départ. Ça va être hyper chaud. Là, on voit Je pense que ça va être intéressant, ouais. que une seconde 4, une seconde 4 entre les 9 premiers pilotes. Bon, on n'est pas loin d'une Ouais, seconde. ouais, ouais. On est pas loin d'une seconde. Mais bon, ça va te. J'avoue que la bataille entre Payne et Cassis, là, ça risque d'être tendu. Sincèrement, Ah, mais j'aimerais je pas être te à leur trouve à place. l'avantage de Cassis, hein. Ah, Alors, écoute, sur les trois qualifications, il a signé les trois meilleurs temps. je m'avancerai pas. Ça veut dire qu'il connaît bien sa voiture et je pense que psychologie, il a gagné la bataille psychologique, Cassis. Et d'ailleurs, au sujet des pronostics, comment ça se passe? Oui, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. Ben moi, premier Mac. On l'aura notre victoire, Mac. Second, Cassis. Troisième Payne. Et toi? Alors, tu m'as dit quoi? Moi j'ai fait Mac, Cassis et Payne. Mac Cassis, c'est Payne. Mac Cassis, c'est Payne. Ah. J'avoue que ton trio n'est pas trop mauvais. Hein. Ben, je prends des risques avec Mac, mais je pense qu'il va le faire, il peut le faire, il doit le faire. C'est qui part? Ah oui, il y a Sight aussi. Et Sight, Ouais. il est redoutable. Ben, Sait, il est toujours un peu dans Mac, effectivement, dans les qualifications, ça s'est vu. Moi, je Mais je compte sur dirais. Moi, je le pirate. dirais. Le pirate. Moi, je dirais. Ah, je sais pas. Ah, il Cassis faut pas trouver un Payne truc. Sight. Allez, Cassis Payne Sight. Cassis. Payne, Comme en Sait. qualif. Ça serait comme au qualif. Et Ça là, on serait va comme en partir pour qualif. le tour de chauffe, là, du coup. Tour de chauffe, voilà, c'est ça. Alors, on n'a pas le droit de doubler pour le tour de chauffe, si je comprends bien. Tu peux faire tout ce que tu veux, je crois. Tu peux même casser la gueule aux autres voitures. D'accord. C'est pas comptabilisé. Non, mais. Après. Salut les gars. Salut. Désolé de vous déranger. Je crois qu'il y a un petit bug. Parce que là, la grille, elle est un peu fausse. Il a fait P3, P2 Payne, mais là, il part 12e. C'est exact. Il n'a pas eu de pénalité? Il n'avait pas eu de pénalité? Non, il n'a pas eu de pénalité. Ok. Du coup, bah, drapeau rouge. Ah, mais du coup, ouais, mais attends, c'est problématique ça. Parce que là, ça veut dire que, du coup, les pneus, je vois que les pneus, ils ont changé. On peut pas choisir les pneus au départ. Non, bah là, si tu reprends les qualifs, non. Ah, ça, c'est la merde. Comment Bah après, faire? tu demandes à tout le monde de repartir, enfin, d'utiliser le même train de pneus, quoi. Ceux qui sont qualifiés en soft, ils utilisent le soft, et ceux qui sont qualifiés en medium, ils repartent en medium. Là, tu as le moyen de vérifier. Attends, hop, Hop, hop. attends, je te fais un petit screen, juste au cas où. Parce que là, ça peut être chaud patate. C'est fou, n'empêche, ce bug-là. Mais c'est remarquable, hein? C'est remarquable. Pourquoi j'arrive pas? Bon, ben, je vais aller voir tous les lobbies et puis je vais leur dire qu'on va relancer la course. C'est ça. On va relancer la course. Allez, je préviens tous les pilotes. Ça marche. Bon. J'ai fait un petit screen au cas où t'en auras besoin à la balle. J'en ai un, j'en ai fait un. Ok, parfait. Merci à toi, Bon. Juju. Bon bah à tout de suite. Yep. Allez, Zébardi, du coup, désolé les gars, on va refaire un drapeau. On va recommencer le lobby. Puisque là, nous avons un problème de bug visuellement. Visiblement. Sur le jeu. On va relancer tout ça. Alors, invitation. Alors, Drezy Astro.
Payne, Joe, Cassis, Mac, Matou, Nero, Robin, Rimano, Rodgan, Saïd, Thomas, Mars et le dernier. Est-ce que tout le monde est dans le lobby? Juste une petite question. Ouais. On est d'accord, ils repartent tous avec les mêmes trains de pneus. Ceux qui se font qualifier en soft, bien, ils partent avec les soft. Je suis pas sûr que c'est possible. Si, si, c'est possible. Hein. Okay. C'est possible. Bah, il faut que ce serait bien. Ouais, bah sinon, ce serait un peu cheaté. Ok, ça marche. Il faut. Alors, du coup, bim. Qu'est-ce qu'il me demande? Ok. Alors, du coup, je réinvite Jojo. Hop. Malprus? Ouais, je te réinvite. Mais je te vois pas par contre. Ah, si, je te vois. Hop. Ok, good. Je t'ai réinvité. Alors, du coup, je vais faire ma petite grille de départ pendant que. Ils se préparent tous. Alors déjà, Grand Prix de France, désolé. Pouf, pouf, pouf. Choisir, charger. Ok, invite, invite. Alors attendez, hop. Robin. Ah, j'ai prévu tout le monde. Alors attends, il faut que tu leur préviennes qu'ils reprennent le même train de pneus. Ah, allez, eh ben je vais revoir tout le monde et puis je vais dire qu'on va reprendre les mêmes trains de pneus. Est-ce que tu peux inviter Rod dans le lobby parce que, vu que. Et puis. Ouais, et puis m'inviter peut-être aussi, puisque j'y suis plus. Ok, je t'invite. Donc, comme tu l'as recréé, ben, tu m'invites. Ok, ok. Alors là, je continue. Qualification, aucun. Grille de départ, annulé. Réaliste, aléatoire, grille personnalisée, voilà, éditeur de grille. Et là, il faut que je regarde mon screenshot, Hop. Ça va partir pour live dans quelques instants. Je refais ma petite grille. Alors, on a Cassis qui va monter. Cassis qui monte. Cassis Payne normalement qui est en deuxième. Sight qui est troisième. Mac Nero. Ok. Ah, attendez. Tanclair. Ah oui. Je vais mettre Tanclair. Parce que visiblement c'est en clair toute la course. Il faut que je réinvite Mars. Dis donc, décidément c'est compliqué ce soir. Mars, réinvité. Boum. Allez, je repars sur ma grille personnalisée. Éditeur de grille. Pain Sight. Pain Sight Matou. Matou, ok. Mac Nero. Nero Rimano. Thomas. Rodgan. Robin. Robin, Joe et Drazy. Ah, Mars, il est où lui par contre? Mars, il part dernier, je crois. Hop, confirmer les changements. Je revérifie. Hop, là, on est en réaliste. Pas de qualif et fin 2020. Ok, une interprétation parmi de la course. Ok, complet des 4 véhicules. Parfait. T'as un screenshot pour le positionnement de la grille? Ouais, je l'ai mis sur le Discord directement. D'accord.
Et là, normalement, on est bon. Alors, j'ai. Normalement, il faut juste attendre que tous les pilotes sont là. Normalement, ils sont tous là. Toi, t'es un spectateur ou pas, Astro? Ouais, t'es un Un spectateur. spectateur, parfaitement. Il faut qu'ils choisissent Payne, il faut qu'ils choisissent sa monoplace. Et normalement, c'est bon. Allez, je vais lui dire. Ok, ça va repartir dans quelques instants. Bim. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, c'est le message est passé. Ok, donc c'est bon, tout mon ami ses pneus comme il voulait. Est bon? Ah, du coup, côté des pilotes, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ok, du coup je te dis la grille. Cassis, Payne, Sait, Matu, Mac, Nero, Rimano, Thomas, Rodgan, Robin, Joe, Drazy. Joe Mars Resi. Ah non, Drazy devant Mars et devant Daisy. Ok, c'est bon. Bon bah c'est bon, spectateur. Allez, go. Alors, tu dois te mettre en spectateur, toi, et puis c'est bon. C'est bon, je suis un spectateur, hein, mon cher Thierry. Nous allons pouvoir repartir sur la course là directement. Attends, je vais revérifier quand même que j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas mis de classé. C'est bon, je suis un spectateur. C'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. On est tout You prêt, can. on est tout prêt. Ah, n'oublie pas. Tu leur as dit pour les pneus? Tout le Ok. monde a eu la consigne. Donc normalement les pneus de toute façon ils sont affichés sur le Discord. Pour ceux qui n'ont pas le disque, pour ceux qui n'ont pas le train de pneus et qui se rappellent plus le train de pneus qu'ils avaient, vous l'avez directement sur le Discord. Attention, nous ferons sûrement les vérifications à la fin de ce Grand Prix. Non, pam pam cucu. Attention. Allez, je repars sur le jeu. Allez, ça part dans 28 secondes. Les pilotes vont pouvoir repartir. On a eu un problème de qualification. T'as vu ce bug? N'importe quoi ce bug. Ouais, ça nous est déjà arrivé, ça. C'est pas la première Ouais, fois. c'est singulier, singulier. Alors c'est vrai Mais de toute que... façon, depuis le début de la soirée, de toute façon, d'un côté, je préfère parce que, tu vois, depuis le début de la soirée, c'est un peu comme ça. Tu vois, il y a pas mal de gens qui crachent, tout ça, donc c'est peut-être que le Ouais, c'est lobby. bizarre. Il y a eu un truc ce soir, Peut-être que le effectivement. lobby, tu vois, il est parti en sucette, ou je sais Du coup, pas. ça va pas se lancer, on va voir. Ça peut être problématique. Et là, nous passons directement à la course. Et là, tu sais, je me suis foiré sur la grille. Non, je crois pas. J'ai T'as mis revérifié un deux tour fois. de t'as mis un tour de chauffe ou pas, Ouais, non? ouais, ouais. D'accord. Alors moi, j'ai mon début de session qui reste bloqué à 24 secondes. Moi je suis bloqué à 19, tu vois. On va T'es attendre. bloqué à combien, toi? À 19. Ah, donc ça va. Allez, ça a l'air de se le faire. Moi de mon côté, ça s'est lancé. Faut que tout le monde charge et puis c'est tout. Rodgan, Matou, ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ouais, mais tu vois le temps que ça met pour que ça charge quand même, c'est louche. Normalement, c'est pas comme ça, quoi. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, c'est 13. Allez, c'est bon. Le compte à rebours, il se met en route. 23 secondes. Dans 20 secondes, les pilotes vont pouvoir partir. Et oui, pour ce Grand Prix de France, organisé par le Cocooning, ce championnat, donc il reste encore trois Grands Prix, effectivement. Avant peut-être un passage sur F1 2021, Ah. on ne sait pas. Comment ça, j'ai erreur dans les places? Non? Non, dis-moi pas que j'ai fait une erreur dans les places. Cassis, Payne, Sait, Matu, Nero, Rimano, Thomas. C'est vrai? Est-ce que tu peux aller voir Romain vite fait? Et Je vais revenir tout de suite. parce qu'il a dit qu'il y a un problème dans les places. Oh non, j'espère pas.
Je crois que j'espère que j'ai pas eu trop de problèmes. C'est quoi ces fantômes? Ouais, j'espère. Ouais, ça appartient. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, non, c'était effectivement, il y a bien 13 pilotes. Il y a bien 13 pilotes, on a recompté, on a recompté. Et c'est bon, du coup, il n'y a pas d'erreur dans les places. Pas à ma connaissance, en tout cas. Ok. Allez, ça va pouvoir repartir. Allez, la course va pouvoir repartir. Ah. Attention à ce premier virage gauche qui suit une chicane. A trouvé sa place. Cette virage gauche, ouais, tout à fait. Ouh là là, c'est entre les deux premiers, c'était limite. Gros. C'est bon, c'est C'est qu'ils passé. sont... Ouais, tout le monde a réussi à passer. Ouh là là. Ouh là 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 Là, là je là suis là là. dans la vue de Mars, hein, donc plutôt à l'arrière du peloton. Et ça bagarre sévère, je te dis pas. C'est saut, il va falloir trouver sa place. Il va Il falloir faut. réussir à trouver sa place dans cet intervalle-là, effectivement. Alors, Mac va rétrograder en fait en 12e position. Oh, c'est l'accident! Il a été touché. Aïe, 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 aïe. Mac qui a cassé. Ah, il a dû tout Non, casser, le pauvre Mac, là. Mac a pas cassé, mais Robin qui a cassé. Alors Mac, il a bien cassé son aileron. est-ce que Robin, il Mac. a complètement pulvérisé la voiture, là. Ah, là 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 là. Chez Red Bulls, le directeur d'écurie ne va pas être content. Oh, Ah, Mac qui a Robin a cassé. pulvérisé le véhicule. Aïe, aïe, aïe. Ah là là là, ils ont cassé. Chez Red Bull, ils ont cassé. Ah, dommage. Pour la team Red Bull. Ça va faire les affaires de Nero, ça. Ça fait les affaires de Nero, effectivement, il doit se frotter les mains. C'est moi ou j'ai l'impression qu'on a l'impression. Enfin, j'ai l'impression qu'on a l'impression. J'ai l'impression qu'ils roulent en safety car. Tu sais, ils se sont tous collés, tu sais, c'est marrant. Regardez, on a Ouais, une bonne ils sont filindrine. sacrément collés. Allez, Nero qui vient de Mac qui part dépasser Renault. directement au stand. Oh, il a raison, de toute façon il est cassé, il faut pas qu'il perde trop de temps. 5 secondes de pénalité déjà pour Mac. Il est rentré trop vite dans les stands, c'est Ouais, c'est ça? ça. Ouais, j'ai eu l'impression que Allez, qu'il prenait qu'il y allait un peu trop vite, ouais, tout à fait. quelque chose des hard direct. Je cherche pas à comprendre. Dommage hein, pour Robin. Cassis, 3 secondes de Cassis qui pénalité. prend une pénalité. Ouh, cette pénalité elle a de la valeur, celle-là. Ah, celle-là, elle peut avoir de la valeur. Et Sai qui suit. Sai qui est derrière, qui suit le train de Cassis. Qui est à une demi-seconde près pour le DRS. Cassis qui veut pas en découdre. Qui veut pas laisser partir. Faut pas le laisser partir, Payne. Autrement, si on le laisse partir. Après, c'est terminé. Allez, une seconde qui fait le forcing. Hein. Payne fait le forcing. Pour partir de la zone de DRS. Et là, ça colle. Hein. Rodgan qui est cinquième pour l'instant, qui est derrière Matsu. Qui est parti de très très loin. Les McLaren qui sont comme dans l'habitude au coude à coude. Qui se bataillent. Rimano qui est juste derrière. La Renault et Mars. Pareil, les deux Renault qui sont. Et la peine qui vient de faire une 33-249 qui fait le meilleur tour. Oula, Payne, il est en train de dominer la course. Allez, il est en train de partir.
T'as vu la stratégie, tout le monde est parti avec DM alors au final. Il y a une bonne partie du peloton qui est parti avec DM effectivement. Et là la problématique, ce que je vois là, c'est que Sight arrive à tenir Cassis qui est... et alors que Cassis est en soft. Donc là c'est... Est-ce que... Est-ce qu'il arrive? Je sais pas, c'est bizarre, il a cassé un truc Cassis. J'ai l'impression que les soft... Non, j'ai l'impression que tout simplement les soft marchent mal sur ce Grand Prix, les médiums marchent mieux. Ce serait une explication. Ça expliquerait pourquoi tout le monde est parti avec des médiums. Voilà, on voit bien que ça tourne bien, ça suit. Hein. Les Matsu et Rogan sont pas loin non plus de Sight, donc... Nero, en tout cas, qui part... Pen qui arrive à mettre 2 secondes 70 Rimano... à Skassis avec DM, bizarre. Rimano et Nero. Oula, c'est pas alors est-ce que Sight va réussir avec sa Ferrari à doubler Cassis, une BWT? Allez, Mars qui s'infiltre. C'est pas facile, hein. On voit que c'est compliqué, mais il donne tout le side. Cassis qui veut pas laisser passer, mais là qui du coup a une pénalité de 3 secondes, la 6 secondes, hyper gros la Cassis. Il perd beaucoup de points au classement général, effectivement. Ah, j'ai l'impression que Mars a des petits freezes. Oula, c'est parti. Sight qui double Cassis, c'est fait. Mars a des téléportations, j'ai l'impression. Je vais regarder moi aussi. C'est pas grand chose, mais. Ou alors c'est moi, mais j'ai l'impression que des fois il a sa voiture qui. Je suis dessus, je vois pas de problème de connexion pour le moment sur Mars. 3 secondes pour Joe. Drazy qui suit, qui est à 2 secondes. Mac qui du mais coup. Mais je suis dessus et je le surveille. Ok. Mais c'est pas tout le temps en fait, il a fait 2 fois micro freeze. Il y a Nero qui passe Nero devant qui Rimano. Attention au changement de trajectoire radical comme ça. Fais attention. Et là Thomas qui va doubler aussi Matou. Allez, c'est passé sur l'extérieur. Bien joué. Emma qui rattrape, hein. Qui rattrape, qui grappille quelques millièmes de seconde, qui rattrape tout doucement. Il a grappillé déjà une demi-seconde pneu. Il est à 32 secondes et il va galérer le pauvre vieux. Les pneus sont tous en médium quasiment. Cassis qui est parti en soft. Il n'y a que Cassis qui est parti en soft d'ailleurs. Et Cassis qui... Et pour l'instant, c'est pas la bonne opération parce qu'il est vraiment à la galère, hein, Cassis. Hein. Cassis, c'est qu'à la galère, il prend des pénalités, il se fait doubler par ça et qui, lui, est en médium. Par contre, il arrive maintenant à tenir... il a trouvé son train-train parce qu'il arrive à tenir ça maintenant. Le truc, c'est que Rodgan revient sur Cassis. Oui, il y a 5 secondes quand même, il y a du temps, quoi. Ah, mais il grappille quelques millions de secondes, hein, il est à 4 secondes, il était à 5 secondes 2 il y a 2 secondes là-haut. Ouais, c'est pas faux, non, mais il grappille petit à petit, mais bon, on est encore loin, quoi. On est encore loin. Comment ça se fait que la BWT n'arrive pas à trouver son épingle, à tirer son épingle du jeu sur ce Grand Prix de France? Et on a l'impression qu'elle n'est pas assez puissante, elle se fait doubler par une Ferrari, c'est bizarre. Ou c'est une Ferrari survoltée qu'on a là. C'est ça, ou peut-être des problèmes de paramétrage, ou Thomas qui rattrape aussi Rodgan, hein, qui a une demi-seconde. Nero aussi qui a bien rattrapé, là, qui a doublé. Nero qui a dû. Alors Nero qui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais qui a doublé Rimano, Matou en 2 secondes, là. Ouais, Nero il est en feu, là. Il a pas le temps, Nero. Il a pas le temps, il a des points à récupérer. Il voit que Mac. Il va passer à la garderie, là. Il voit que Mac est désert. Il voit que Mac est 12ème, et là, Mac qui fait le forcing qui était à 33 secondes tout à l'heure et qui maintenant est à 30 secondes. D'un autre côté, il y a Mac, comme tu dis, qui grappille seconde après seconde. J'ai l'impression que waouh, il revient bien. Hein. Ah oui, il a en un tour, il a grappillé 3 secondes sur Drazy, donc en un tour et demi quasiment. Et Drazy, lui, il arrive à s'accrocher, il s'accroche sur Joe, là, il est pas loin. Mais j'ai l'impression que les pneus médium voire hard marchent bien sur ce Grand Prix. Ouais, si je serais eux, je prendrais pas les soft, hein. Derrière les hard. Non, c'est ça. Derrière les M, je prendrais des hard. Là, je crois qu'il se fait avoir. Au niveau stratégique à 6, j'ai pas l'impression qu'il est
rapide avec ses et pneus. Et un Payne qui est incassable. Et Payne qui a une 33. En tout cas, ton trio de tête, toi, tu utilisais un Cassis Payne Sight. T'es pas mal, hein. Tu l'as pas dans le bon ordre, mais t'es voilà. Pas mal. Pour l'instant, je suis pas bien puisque Cassis il a 6 secondes de pénalité. Donc pour l'instant. Ah oui, si on compte les 6 secondes, effectivement. Et là, Thomas qui a voulu doubler Rodgan mais qui n'a pas réussi. Et là, il ferait des bons points la Ferrari là. Déjà 4 pénalités. Drazy qui vient de doubler Joe. Et là, Mac qui a 27 secondes maintenant. 27 secondes de Joe, ça va l'encourager ça. Ça va l'encourager parce que, à mon avis, il devait être au fond du gouffre là, après ce départ catastrophique. Bah non, mais c'est pas trop mal hein, parce que là, dans quelques secondes, s'il arrive à rouler dans ces temps-là, il passera devant Joe et Drazy, à mon avis. Bah Lolo, il est d'accord avec moi, il faut partir sur des M et puis prendre des R ensuite. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Et la Payne qui est à 7 secondes. Et là, Cassis, là qui est en train de se faire rattraper. Hein. On le voit bien, il 3 secondes maintenant. Il a 3 secondes 8. Rodgan qui rattrape tout doucement, qui grappille quelques centièmes de seconde. Non, mais à la place de Cassis, il n'y a pas à réfléchir, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, changer de pneu là. Je pense que ce serait la Méridien. Hein. Là, dans l'histoire, il perd 10 secondes sur Payne. Hein. Surtout que Rod ramène aussi le peloton. Hein. Thomas et Nero, là, sont même Matou. Hein, et Rimano. Ouais, t'as vu, entre Thomas, Nero, Matou, Rimano. Ça se suit. Ils sont à 5 dixièmes l'un de l'autre. C'est le petit train, quoi. Alors, est-ce que Thomas va réussir à voir Rod? Exercice numéro 2, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir la solution? Verdict dans deux virages. 3 secondes, 1. Moi, je pense pas que c'est bien. Il faudrait que Thomas et Nero attendent. Attendent derrière Rodgan. Il roule à peu près dans la même allure. Rodgan, pour l'instant, en train de rattraper Cassis. S'il commence à se batailler, ça va réduire. Cassis, t'es avec nous. Alors, dis-moi, un problème? Ouais, en fait, fallait remettre les réglages, les gars. Les réglages, j'étais pas mis. Les réglages de quoi? De la voiture. Ah bah non, ils étaient pas mis. D'accord, ok. T'es fait niquer? Bon bah, je me suis niqué. Bah, c'est pour ça que j'ai pas compris, ma voiture tournait pas et je comprenais pas. Je prenais des pédales. Merde, désolé. Bah oui, c'est pas grave. C'est les réglages et les pneus. Dommage. Ouais, j'avais oublié. C'est ma faute. Je croyais que c'était un bug au début. Oh, dommage pour toi, vraiment. Vraiment c'est vraiment. Pas grave, c'est moi qui ai un oublié, mais ça me fait chier. Ouais, bah oui, grave. Est-ce qu'on peut me move? Je suis désolé, mais est-ce qu'on peut me remove? Je suis en course. Oui. Ouais. Je te donne bagage l'écurie, tu veux que je te move? Racing Point, s'il te plaît. Allez, ça marche. Ah, Cassis qui a eu un quiproquo avec ses ingénieurs. Visiblement, dommage pour Cassis hein, qui risque de perdre de gros points. Cassis et Mac. Et là, ça va relancer le championnat. Et là, je t'avais dit, Nero. Ouais. En fait, on en parlait au début de la course, le pauvre Cassis. C'est des choses comme ça. On en parlait au début de la course. C'est des choses comme ça qui vont arriver et qui font. Moi, pour moi, il était indétrônable. Tu veux, il nous fait à chaque fois des temps qu'il était extraordinaire. Et là, pas de bol, il se retrouve avec des réglages qui lui correspondent pas du tout. Pour lui, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis. C'est dur, hein, mais bon, après, ça fait partie du sport et on est obligé de les accepter. Mais ça va remettre un peu de piment. Hein, effectivement, parce que bon, pour nous, ça va être bon. Moi, je pense que Cassis, il va réussir à s'accrocher, il va remonter au classement, ça va le faire. Bah, il faut qu'il ramène le plus de points possible, en fait. Hein, là, il faut que le petit point peut être super important sur la fin du championnat. Donc, Tu penses que Mac doit. Combien de temps peuvent se tenir ces hards sur ce circuit? Parce qu'il donne tout le Mac là. Est-ce que tu penses qu'il peut faire tout le Grand Prix avec des hards? Peut-être. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Hein. Après avoir combien s'atteignent déjà les médiums. Mais
après 27 tours, c'est vrai que c'est long. Il a été au deuxième tour, donc. Ouais, c'est pas dit quand même. 27 tours, ça fait quand même. C'est voir, beaucoup, quoi. On verra déjà comment ça dure les médiums, mais ça peut être intéressant de voir ça. Et. Je pense que ça va l'aider en fait. Cassis, il arrive à remonter un peu. Ah, Max, s'il arrive à remonter un peu sur Cassis, là, ça va l'encourager. Là. Allez, Nero qui essaie de doubler Rodgan. Qui se fait. Et là, c'est passé pour les McLaren qui sont juste devant Rodgan, la Féfé. Grosse bataille entre ces deux constructeurs, McLaren et Ferrari, qui se bagarrent. Matou qui est à 1 seconde 5, qui essaye tant bien que mal d'essayer de rattraper ces trois pilotes, qui a perdu un peu de temps. Rimeno qui est en embuscade à 1/2 seconde, qui a perdu un peu de temps sur cette glissade. Allez, il faut qu'il rattrape le wagon. Cassis a bien fait, là, il est tout de suite allé au stand là, et puis il a remis des M, parce qu'il a vu que ça tournait mieux. Et je pense que ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Mais en total, il a quand même 6 secondes de pénalité, quoi. 6 secondes de pénalité, ouais, qui va lui coûter cher. Ça va pas l'aider, quoi. Qui va lui coûter cher. Ça, c'est clair, ça va lui coûter cher. Mais Nero a une pénalité. Nero a eu 3 secondes de pénalité, Rod a une pénalité. Et là, Thomas, Thomas, 3ème encore. Pour l'instant, 3ème. Ça y est, c'est peut-être son Grand Prix, ça y est. Est-ce qu'il va nous sortir le podium, ce fameux Thomas? Pour l'instant, il le tient. Alors, est-ce que même... Le problème, c'est est-ce que du coup chez McLaren on va pas jouer, tu vois, le championnat pilote. Parce que Nero, on le rappelle, il est dans les trois premiers, hein, championnat pilote. Oui, il est troisième maintenant Nero. Il y a Payne qui lui est passé devant. Donc c'est premier. Donc est-ce que ce serait Cassis, second Payne avec 96 points et Nero il en a 93, quoi. Il y a une différence de 3 points entre les deux. Il y a Lolo qui nous dit qu'il va mettre des softs lui à la fin. On parle de Mac. Il dit que Mac, il va peut-être pas réussir à tenir les 27 tours de circuit avec des hardware. Non, mais vu l'allure où ça va les softs, vaut mieux peut-être prendre des médiums. Hein. Même si on les finit pas, les médiums, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Parce que visiblement, c'est rare quand même les Grands Prix où les softs vont moins vite que les médiums. C'est ça. Moi, je pense que McLaren vont jouer stratégie. Ils vont peut-être laisser Nero passer, peut-être Thomas. Ce serait dommage pour le spectacle, mais. Ou après, pour le championnat constructeur, c'est intéressant. Donc l'alpha de Payne est indétrônable. Il a 10 secondes d'avance sur Sainte. J'ai l'impression qu'il gère l'écart là pour le moment. Bon, je pense qu'il prend plus de risques là. Il dit 10 secondes, c'est ce qu'il lui faut. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça stabilise un peu. Bah, attention, il prend plus de risques, Sainte. Pareil, je pense que là, il prend plus de risques. On n'est pas à l'abri du collègue. On n'est pas à l'abri aussi non plus d'une erreur de pilotage, attention. Mais j'ai l'impression que Sainz a stabilisé un peu. Il stabilise, il récupère moins de temps. Et les trois pilotes qui sont toujours au coude à coude. Les deux McLaren. Ça se suit. Hein. Oh, Matou qui a dû faire une erreur parce qu'il a perdu il y a 3 secondes, il était à 1 seconde tout à l'heure. Rimano aussi qui a dû faire une grosse erreur qui tape à la. Non, il s'est arrêté au stand. Ah, ok, d'accord. Ah, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oula. Il s'est arrêté au stand et maintenant en fait il se retrouve à 7 secondes de Mac. Oui, donc tu vois Cassis il est 9ème pour le moment, donc il est pas non plus vraiment. Non, il est pas au fond du trou, hein. Non, surtout que les autres se sont pas arrêtés. Attends, lui il s'est déjà arrêté une fois. Je pense qu'il a prévu de finir le Grand Prix avec CM. Hein. Ah, je sais pas, tu penses que ça peut marcher en vrai Souviens-toi, c'était quand là qui. Non, c'est. Je suis persuadé qu'il n'a pas prévu de s'arrêter l'autre fois. S'il a tenu autant avec ses softs, ça doit être une stratégie pour aller jusqu'au bout avec CM. Bah tiens, t'as vu, ils ont fait 12 tours avec leur médium. 12 tours, moi je pense qu'il va être obligé de refaire un arrêt. Hein. Ils ont fait 12 tours avec leur médium, ouais. Et là, actuellement, ces médiums à Drizzy, ils ont déjà. Ils ont déjà 10 tours. Ah oui, parce qu'il les a utilisés. Non, les qualifs sont 9. Pourquoi là... Je sais pas si j'ai un bug d'affichage, quand même. Parce que ça marque que les pneus de Drizzy ont 11 tours. Ça voudrait dire qu'il a gardé ses softs que 1 tour. Pour moi, c'est un bug d'affichage, ça. Ouais, non, ça se trouve, il a peut-être monté des pneus qu'il fallait pas. Hein. Ah, merde. Mais après, il a pas... Non, il s'est pas arrêté au stand.
Classique. Non, il s'est pas arrêté au centre, vas-y. Il s'est retrouvé au fond du gouffre. Ah, c'est quand il est venu nous voir, d'accord, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté pour aller dans la loge des commentateurs et puis il est reparti. Cassis, il s'est arrêté une fois, si, il s'est arrêté. Mais Drizzy. Il y a un arrêt. Ah, c'est pour ça que tu parlais de Drizzy. Ah non, je parle de Cassis. Ok. Ouais, c'était un bug d'affichage maintenant, c'est bon. Cassis, j'ai 4 tours pour ses pneus M, ça va, ouais. Non, je pense que si, je pense qu'il va pousser jusqu'au bout là. À 12, non, je pense qu'il sera obligé de s'arrêter, hein. 12 tours, là, il a fait quoi? Il a fait 8, 9, 10 tours, 10 tours, 22 tours. Ah ouais, quoique. Ouais, non, ça va pas passer, hein. Ça va passer juste. Hein. En tout cas, c'est un sacré. Ouais, ça sera un sacré exploit, quoi. Mac est à 6 secondes de Drizzy qui rattrape hein, tout doucement. Ah, il faut qu'il récupère des points. Arrêt. Drizzy n'a pas fait d'arrêt. Drizzy n'a pas fait d'arrêt, il va bien être obligé. Ah, d'ailleurs, ça va au stand là. Mais du coup, il a bien rattrapé hein, Mac, hein, parce qu'il était à. Si Drizzy n'a pas fait d'arrêt, il a bien rattrapé. Du coup, il va passer au moins. Ah, d'ailleurs, Mars qui repart. Ah, attends, mais Mac il va rattraper là. Mac il va récupérer des points. Parce qu'il va passer devant Mars. Ah, ça y est, Mac il arrive en 9ème position. Ça va lui faire du bien au moral, ça. Ouh, ça va lui faire du bien au moral, ça. Ça va lui faire du bon au cœur, ça. Qui remonte et là Matou je crois qu'il a pas été à il a attends est-ce qu'il a fait un arrêt Matou n'a pas ah si Matou il a fait un arrêt si tout le monde s'est arrêté maintenant tout le monde s'est donc c'est gérable mais bon ça va être compliqué quand même. Oui, il est 9ème, il a 2 points. Cassis qui est du coup 3ème. Cassis qui est 3ème. Cassis qui est troisième, à la faveur en fait de ces différents arrêts au stand, il retrouve une position intéressante, oui tout à fait. D'accord. Rimano qui est parti en soft du coup. Oula, ça glisse un peu sur Ron. Du coup, Pensaïd, Cassis, Nero, Thomas. Rimano, Rogan, Matou, Max, ça bouge, hein, ça bouge. Il y a toujours du mouvement. Ah, d'ailleurs, quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a eu Il n'y a pas eu un problème? Ah, j'ai vu une voiture faire un tour. Ah, si, c'est Rimano qui va au stand. Oh, Rimano qui va au stand. Bah. Ah, il a fait une erreur de stratégie. Il a pris les softs. Il aurait dû les garder, je pense. Ah, il a cassé son aileron. Il avait cassé son aileron. Il repart. Du coup, Rimano repart. Et du coup, Rimano, Mac 8ème pour le moment. Mac 8ème. Allez, Rodgan qui est toujours sur Thomas. À la bataille entre les trois pilotes, là. Bah, l'avantage de Nero, du coup. Nero qui a réussi à grapper du temps. Nero qui a grappé. Du temps, Rodgen qui a l'attaque hein, sur Thomas, il le voit, il veut le craquer là. Mac qui revient sur Matou, hein. Oh, c'est sévère. Il est bien revenu sur Matou. Ouh, mais il peut. Oh là, ça double. Ça double 7ème pour le moment. Est-ce que ça va attraper Rod? Alors, quel temps il termine? Leaders, meilleur tour, 1.34, le droit de gagne, 1.35, ça peut venir, ça peut revenir même sévère. Il roule aussi bien que les 4 premiers, donc il peut revenir sévère, Mac, s'il roule dans les meilleurs temps. Juste remonter, de ouf. Et surtout que Mac, il a pas fait des tours, il a fait des tours qu'en dur, hein, donc il a 1.34 depuis le début. Donc, c'est qu'il fait le meilleur temps, là, au moment. Payne, mais qui était en médium, une 33-249. Ouais, d'accord. Donc d'accord. Là, et c'est pas fini, hein, parce que là, je vois que Cassis, du coup, lui, est en médium. Et ça rattrape. Hein. Et ça rattrape Sight. Ça grappille quelques millièmes de seconde. Mais là, je vais suivre Mac. Mac qui était à 7 secondes, là, qui est descendu à 6-8.
Et là, faut pas que... Ça me paraît possible pour lui d'arriver à croquer Rod. Le souci, c'est qu'il a une pénalité de 5 secondes. Et Rod qui a une pénalité aussi. Rod qui a une pénalité de 6 secondes. Ouh, pour une 6ème place, c'est possible pour lui. C'est possible pour lui. S'il donne tout, il a 12 tours qui lui restent. C'est possible pour lui. Mais je suis pas persuadé que ce soit dans le plan de course de Mac de s'arrêter pour changer de pneu. Je pense que il va les exposer, ces pneus, mais il va pas s'arrêter. De toute façon, je pense que là, il a pas trop le choix. Hein. Il a pas le choix, là, il faut tenter le tout pour le tout. Là, je dis, c'est pas grave. Parce que si jamais il s'arrête, bon, il peut être dans les 10 premiers. Il sera dans les 10 premiers, je pense. Si, il sera dans les 10 premiers. Donc, il aura son point. Est-ce qu'il préfère assurer un point ou est-ce qu'il préfère... Est-ce qu'il préfère assurer un point ou tenter le kit au double? Le pirate, il tentera le coup de kit au double. Je pense que ça peut être une bonne idée. Après, il a 6 secondes. Hein. Ça, il freine pas. 6 secondes 6, 7 secondes il était là. 6 secondes 6. Il a besoin de. Il a peine qui est imbattable. Imbattable, maintenant il a 15 secondes d'avance. Là maintenant il se balade là maintenant tranquillement avec ses hards. Suivi de Sait qui a vachement bien géré sa Ferrari. Je crois qu'il a travaillé ce circuit aussi. Il a travaillé les réglages de la Ferrari pour arriver à ce niveau là. Ah oui, il est deuxième. Belle place de Sait qui vient de récupérer le baquet de Gauthier. La troisième place, tu gagnes 18. Combien, 15 points ou 18? Alors, troisième place, il gagne 15 points. 15 points, donc le premier, il gagne 25. C'est ça. Du coup, ça lui fera gagner 10 points Payne par rapport à Cassis, si l'ordre a été conservé. Ça. Plus le point... Actuellement, il a 20... Ah oui, plus le meilleur temps, effectivement. C'est ça. Actuellement, il a 20 points de retard. Ah, ça ouvre quelques portes, effectivement. Et Nero aussi... Nero, donc, il perdra des points encore sur Cassis. Ce qui est marrant, c'est que tout va se décider sur un Grand Prix de Chine où je suis pas persuadé que les pilotes l'aient beaucoup travaillé, si tu veux, Grand Prix de Chine, parce que je suis persuadé que ça doit être le dernier truc que tu travailles, tu vois, quand tu... Ah, rappelle-toi qu'on l'a... C'est un Grand Prix qu'on avait... À la saison précédente, tu veux dire Qu'on avait annulé suite à des soucis. Oui. Et qu'on a reporté. Mais c'est marrant que tu vois, si le championnat décide sur le Grand Prix de Chine... Tu vois, c'est pas le Grand Prix qu'ils travaillent pendant leur temps libre, je pense pas. Non. En tout cas, d'ailleurs, là, il y a un léger petit gap qui a été fait entre Thomas et Rodgan. Thomas, 3 secondes de pénalité. Attention à pas se faire éjecter. Hein. 12 secondes de pénalité. Attention à ne pas faire trop d'erreurs, Cassis, parce que s'il fait trop d'erreurs, il peut avoir le black flag. Et là, par contre, ce serait plus du tout la même mayonnaise. Hein. Ce serait 25 points pris en fraîche pour Payne. Du coup, il serait premier du classement. Ouais, okay. ils sont plus que 4 à pas avoir de pénalité sur ce circuit. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la norme. Hein. C'est comme nous le disait Joe qui a 17 secondes de pénalité, le pauvre. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. 17 secondes de pénalité. Attention. Il nous a dit que c'était problématique pour lui, les pénalités sur ce circuit. Effectivement, on le comprend. Là, si on prend des. Si un black flag là, attention. Ça peut changer la donne. Et Mac qui revient. Non, Matou qui a fait. Ouais, ça, est-ce que ça va passer en dessous des. Ça y est, c'est en dessous des 6 secondes. C'est en dessous, hein, c'est en dessous. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Là. Je crois que là, il se bat contre les éléments. Là. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Ça grappille quelques millièmes, mais de temps en temps, il les perd. Et là, il nous fait mentir parce qu'il est à 5 secondes 6. Donc, il faut qu'il soit à moins d'une seconde pour lui chipper la place et surtout pas faire d'erreur. Mais là, il perd gros en Mac. Là, il perd gros. Un classement général, effectivement, il est à la 4ème place actuellement. Et malheureusement, effectivement, ça représente un paquet de points, effectivement. Et puis ce qui est dommage, tu veux, c'est que ça part d'un accident, en fait, au premier tour, bêtement. C'est pas forcément sa faute. On reverra les images, mais je suis pas persuadé que ce soit sa faute. Et visiblement, il l'a beaucoup travaillé, quoi. Comme à son habitude, on le connaît. C'est un pilote qui a beaucoup de talent. Ouais, mais c'est ça, mais il a eu beaucoup de... Parce que pour arriver à tenir, en fait, au point de vue rapidité, un Cassis ou un Payne ou un Sait, ça veut dire que
Il y a eu de l'investissement personnel parce que ça, c'est pas évident. Et Joe qui en parle, sans casser l'aileron. Il a cassé l'aileron, Joe. Nero qui fait une très bonne quatrième place. Hein. Dans ce championnat, il gère Nero. Hein. Ah bah il gère, mais il faut qu'il arrive à doubler Cassis et Payne s'il veut pouvoir. Effectivement, si on veut qu'il dépasse cette troisième position actuellement, parce qu'il a quand même, à chaque fois, il est très très régulier, il a quand même la troisième place au classement, il va falloir qu'il arrive à doubler en fait Cassis ou Insight. Mais ça me paraît chaud quand même. Ça me paraît compliqué maintenant, ça me paraît compliqué puisque. Puisqu'on arrive, on voit que sur à peu près une majorité des Grands Prix, on le voit pas souvent devant Cassis. Donc ça risque d'être compliqué pour Nero. Alors il va peut-être maintenant essayer de. Cassis qui doit de nouveau s'arrêter au stand à cause de ses pneus. Et Mac passe devant lui, du coup. Cassis qui va repartir en fait en 8ème position. Alors là, Cassis qui repart en médium. Il reprend les médiums en fait pour la suite, pour finir. Et là, attention, parce qu'il a quand même pas mal de pénalités. Là, c'est peut-être le championnat qui se joue aujourd'hui. Ouais, mais est-ce qu'il pouvait encore tenir 8 tours de plus? Il a considéré que non. C'est ça. Alors, du coup, c'est l'affaire de Mac, là. Est-ce qu'il peut tenir encore 8 tours? Est-ce qu'il peut tenir 8 tours avec ses armes? En vrai, ce serait... Ouais, mais comment dire, c'est héroïque, hein. Et là, en plus, il rattrape encore Road. Il a 4 secondes 8. Il a 4 secondes 8. S'il arrive à récupérer cette 5ème place... Ouais, il perd pas grand-chose. Sans qu'il casse sa voiture ou qu'il ait de pénalité. En vrai, chapeau, on peut dire que c'est, je pense... Le pilote du jour. Effectivement. Enfin, moi, je vote pour que ce soit lui, pilote du jour, en tout cas. Ce sera pour moi le pilote du jour. Parce que... il a 4 secondes et demie de Rod. Et Rod, il n'a pas prévu de se laisser faire non plus. Quoi. Alors, Rod gagne qui a 3 secondes de pénalité là. Aïe, 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 alors ça change la donne. 4 secondes, et voilà, il est pas loin. Il est pas loin. Il est à quelques millièmes de secondes de pouvoir grappiller cette 5ème place. Cette 5ème place qu'il aiderait parce que. Je pense pas qu'il avait des vues sur la première, je pense pas qu'il avait des vues sur la seconde place, mais une troisième lui aurait bien allé à Mac, tu vois, par exemple. Une troisième, oui, mais bon, là, moi je dis cinquième déjà, c'est beaucoup. Ouais, hein, c'est quand même inespéré quand on était dernier, quoi. Donc je pense qu'il doit se dire là, écoute, je gère, il me reste 7 tours à faire, il doit essayer d'économiser ses pneus là. Là, il faut juste qu'il arrive à descendre en dessous des 4 secondes, et s'il arrive à descendre en dessous des 4 secondes, il ne faut plus qu'il fasse d'erreur. Et il faut qu'il gère sa course. Pousser Rod à la faute. Rod est un pilote. Ouais, il est expérimenté. Hein. C'est pas je le pense premier pas fait, que Rod. C'est le pilote où on peut vraiment mettre beaucoup de pression. Et bonsoir, et Assurance Slip qui passe par là. Bonsoir. Alors que c'est le Grand Prix de France ce soir, qu'on voit un Payne magistral, que Sainz gère parfaitement sa course, et que Nero est. Moi, pour moi, c'est une surprise, cette troisième place de Nero, félicitations à lui. Thomas quatrième, elle et McLaren qui sont bien positionnés. Bah, Nero qui fait une bonne opération, puisqu'il avait dit qu'il faut qu'il soit devant Cassis et surtout devant Mac. Donc pour l'instant, objectif accompli de Nero. Mais on a toujours Payne qui est devant, qui est premier, qui est à 20 secondes du deuxième. Et du coup, qui va grappiller encore quelques points sur ces deux pilotes. Et Mac qui part au stand. Il est obligé de partir au stand. Ah, Mac qui va au stand. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, je l'aurais pas fait. Mais c'est parce qu'il a pas... Et ouais, du coup, il va chausser des softs. Il a dû considérer qu'il était obligé. Et il va du... Je sais pas ce qu'il va mettre. Des softs. Bah, des softs. Hein, moi, des M. Non, faut pas qu'il mette des softs, sinon ça a l'air d'être une galère. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Hein. Oh, j'ai l'impression... Ça met du temps, hein. Non, c'est bon ou ça a mis du temps les changements de pneus. Ah, du coup, quand Cassis repasse devant lui et Max se retrouve en 8ème position, il lui reste 6 tours à faire. Ah, il a joué la sagesse, je pense. Il a joué la sécurité, ouais. Il a joué la sécurité. Alors après, il peut peut-être dénicher le meilleur temps. Le petit point. Plus récupérer le Rimano. Mais après, ce sera trop tard. Après, il pourra plus rien récupérer. Ouais, comme tu dis, ouais. Il reste quand même que 6 tours, quoi. Dommage, hein, c'était...
Ça a pu être intéressant. Mais ça ne passait pas. Ah, t'as raison, il a chaussé des S et à mon avis il vise le meilleur temps, c'est pour ça il part comme une fusée. Oula, Rimano, alors que Rimano le double sous l'effet du DRS. Rimano qui vient de déposer Mac. T'as vu ça ? J'ai l'impression que c'était une fusée à côté alors que Mac était complètement lancé. La Renault qui tient la route, la Red Bull qui va finir par le doubler. Hop 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 hop, ça bagarre. Rimano va passer ses fers. Il veut bagarrer, ça tombe bien, Mac aussi. Ouais, ça passe sur l'intérieur. Ouh, ça passe sur l'intérieur, c'est audacieux ça. Freinage tardif de Rimano, ça passe quand même. Ouais, ça va passer quand même. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Premier secteur. Ah, c'était Mars. C'est Mars qui a du mal, il perd complètement le contrôle de son véhicule à la 12e place. Mars qui. Qu'on avait l'habitude de voir sur les premières positions, qui là aujourd'hui ne sait pas son Grand Prix. Hein. Ça n'est pas sur le Grand Prix de France. Oh, Rimando qui va au stand. 10 secondes de pénalité pour Mars. Ouf, ça fait mal. Et je suis fier de papa et de maman. Ok. C'est pour votre gouverne, c'est Rod et Nero, papa et maman. Je sais pas c'est qui est la papa et la maman. Je crois que c'est Rod la maman et Nero le papa. Oui, cela ne nous regarde pas. On prend mon sketch célèbre. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Allez, c'est la bataille entre Rimano et Joe. Il a peine, Nisblad. Il a 22 secondes d'avance sur site. Voilà, tranquille, tu vois. Presque il peut s'arrêter un peu pour prendre son. Son acclamation avant de repartir. Ouais, ça va passer sur l'intérieur du jeu. Mars 5 secondes de pénalité vitesse excessive. Ah, Mars c'est pas du tout son Grand Prix, hein, le Grand Prix de France. Beaucoup d'erreurs. Alors qui c'est qui est devant? Et Drizzy qui est 9ème, qui va grappiller son premier point. Et Payne qui vient de doubler les retardataires. Allez, Mac qui fait le 1:31.702. Ah, ça c'est bon, il va grappiller ce petit point. Donc ça va faire 4 petits points qu'il va récupérer. Si ça continue. C'est sans compter que Payne. Est-ce que Payne va oser aller au stand pour récupérer des softs et faire le meilleur tour? Oh là là, attends, là. Il va pas le tenter là, je pense pas qu'il va faire le foufou quoi. Bah 21 secondes Quoique ça l'aiderait pour avoir le meilleur temps, il aura un point de plus. C'est ça hein. Parce que est-ce que ça a changé pour le meilleur temps? Oui ça a changé, c'est Mac qui vient de le prendre. Mac il a avec une 31 là, effectivement. Donc là il a 22 secondes, est-ce qu'il peut ressortir devant site et établir le meilleur temps? Est-ce que ce serait pas... Peut-être le point. Oh, 3 secondes encore sur Cassis. Ouh, ça fait beaucoup de pénalités tout ça. Et là, il tourne très fort hein, le Mac. 2 secondes ouais. Plus rapide que les autres. Attention. Attention. C'est dommage qu'il n'y ait pas 10 tours de plus. Hein. S'il y avait 10 tours de plus. C'est dommage que. Surtout que. C'est dommage que les durs n'ont pas fait plus de tours que ça. Mais là, Matou, au premier Grand Prix, 7ème, c'est pas mal, intéressant. Ah oui, comme tu dis, ouais. Comme tu dis, belle performance. Drizzy qui a échappé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. On a vu un problème entre Joe et Drizzy. Ouais, Drizzy est devant Joe actuellement. Je pense que le commissaire de piste a décidé qu'il fallait qu'il se fasse redépasser. Du coup, c'est ce bad deck, ça se bagarre. Ça se bagarre. Par contre, il roule. Est-ce qu'il peut rattraper Matou? Non, 12 secondes. Comment dire, je suis d'accord qu'il lui prend 3 secondes par tour, quoi. Mais c'est que 3 secondes.
Il reste plus que 2 tours, donc c'est pas possible, il peut pas lui croquer 6 secondes dans un C'est tour, ça, au moins une erreur de Matou, ce qui je trouverais bizarre quand même, mais non, ça passera pas, il sera 8ème. Matou, il a des hards qui ont 11 tours, il tient encore la route, quoi. Alors, est-ce que Payne, du coup, va jouer le jeu du meilleur tour? Est-ce que ça peut se tenter? Moi, je pense pas qu'il fera. Ouais, il y a beaucoup de peinards. Beaucoup, beaucoup, bah, de grosses peinards. T'as eu combien, d'ailleurs, t'as sensé en peinard? T'as eu 10 secondes, je crois. Je crois que c'est ça. Est-ce que t'étais sorti de piste? Ouais, c'est ça, 10 secondes. J'ai oublié de tourner. Ah oui, effectivement, si on oublie de tourner, c'est compliqué. Elle était partie dans la lune. Elle était occupée avec son nouveau chat. C'est vrai que piloter avec le chat sur les genoux, on prend des risques en Formule 1, mais on aime ça, effectivement. Les risques. Allez, 10 secondes. 10 secondes, il a récupéré 2, ouais, 2 secondes. Ça passera pas, ça passera pas. Ça passera pas. Chaud, ouais. Non, 25e tour, pas possible. Il y a le 25e, le 26e, le 27e. 9-6. 9-6, oh là là. Ah ouais, ça va se finir. Il va manquer quoi, 2 tours? Ouais, peut-être même pas. Peut-être 1. 9 secondes, 5. On le voit, c'est pas lui qu'on voit devant? Peut-être. Ah non, c'est pas lui. Non, il a la fin de la ligne droite. Ouais, 9 secondes quand même. Non, 9 secondes, c'est plus que ça, quoi. Non, ça ne bougera pas. Drezi, 3 secondes de pénalité. Attention, il est pas à l'abri d'une pénalité quand même. Faut pas qu'il fasse d'erreur à tout. Et là, du coup, on a pas mal d'écart entre les joueurs. Payne, Sight, oui, Nero. Oui, là, ça s'est stabilisé, effectivement. Là, les écarts sont tels que les bagarres sont impossibles. Oula, il y a Matou qui a dû faire une erreur puisque Mac est plus qu'à 8 secondes. 7 secondes, ouais, ça. Alors qu'il reste un tour et demi. Un tour et demi pour la fin de ce Grand Prix. Et du coup, tu nous avais pas dit, du coup, Lolo, c'était quoi ton... Il nous avait pas dit, Lolo? Non, Lolo, il avait pas dit, c'est un fantastique. Non. Ah, bravo, Lolo. C'est les secrets là-dessus. Je dirais que... C'est tous les deux plantés, comme à chaque fois. Bah, on était pas loin, Painsight, il avait dit ça aussi, non? Ouais, t'en as 2 sur 3, hein. T'en as 2 sur 3, c'est pas mal. Genre... Ouais. Moi, je n'ai qu'un sur 3, c'est pour te dire, je suis vraiment pas bon. Alors qu'on est rentré dans le dernier tour. Et voilà, le dernier tour de Payne. Qui est sur cette longue ligne droite du Castellet. Nero avec ses 3 secondes de PMA, ça lui fait sauter à la 3ème place là, non? Non, parce que Thomas il est à 4 secondes. Bah, c'était bien joué, hein. C'était juste. Hein. Bravo Thomas, 4ème position, c'est remarquable. Hein. Zéro pénalité sur toute la course, impeccable. Rimeno qui dépasse Payne qui. Et je pense que Payne il a cassé là. Mais Payne il a pas cassé là. Alors moi je casse là. Imagine Payne casse sur Rimano là. Au dernier tour. Oh merde. Sur un retard de la terre. Oh merde. Ah là c'est le bon ça. Là c'est le bordel. Hein. Alors que Mars a fait une nouvelle sortie de route. Et voilà. Bien joué à Payne. Payne qui arrive premier. Payne premier champion. Bien joué à lui. Deuxième. Le deuxième sur Sight, effectivement. Qui a tout fait. Qui est deuxième. Troisième Nero. Bien joué. Quatrième Thomas. Alors attention à voir Thomas. Mais s'il descend la barre des 3 secondes. Effectivement.
il perd sa troisième place, mais je pense que... Et là, je pense quand même, ça y est. Ça devrait passer, voilà. Il n'y a eu même pas une seconde, hein, Thomas. Rodgan qui est juste derrière, qui va passer aussi la ligne. Cinquième place, bien joué à Rodgan. Qu'est-ce qu'il y a 18 secondes de pénalité, par contre, est-ce que ça va changer quelque chose? Cassis qui avait eu pas mal de pénalités. Hein. 18 secondes. Là, là il y a de toute façon Matou qui va passer devant, ça c'est sûr. Mac, il Matou devrait passer devant, non? Mac aussi, hein, je pense. Mac devrait pas être bien loin. Et oui, Mac passe devant Cassis. Ah, Cassis se retrouve à 8ème place, effectivement. Mac, Rimano, Drizzy, Joe, Mars. Et du coup, c'est bien parce que du coup, il récupère le meilleur tour, Mac. Donc c'est plutôt intéressant. Bien joué Payne, bien joué aussi Sait et Nero pour ce podium. Magnifique. Ça va être bon. Ça va relancer un peu le championnat. Et ça va surtout... Ah, c'est pas faux, effectivement. Surtout que là, oui, clairement, Payne qui était à plus que 10 points. 25 points pour lui. Paf. Il va falloir l'arrêter, le petit Payne. Parce que j'ai l'impression que là... Cassis a plus en plus de mal à Mais du finir. Coup, attends, est-ce que c'est pas Payne qui prend la première place? Il met combien de points Cassis avec sa 8ème place? Il doit en mettre 2 ou 3. Alors Cassis, s'il est en 8ème place, il en récupère 3. 3, je crois, 3 ou 4. Ben ouais, parce que donc Payne il en met 25. Cassis en met 3, c'est Payne qui est passé devant du coup. Ah, okay. Payne est passé devant là, du coup, ça y est. Ouais, du coup, Payne en fait est premier au classement, effectivement. Premier Payne, second Cassis, troisième Nero. Nous verrons dans les. Pour Max, ça doit toujours être la quatrième position. Et Nero, il a récupéré des. Bah, de son Nero, il a récupéré forcément des points sur Cassis, ça c'est sûr. Ah ouais, il va récupérer des points. Il va récupérer 10 à peu près, effectivement. Un Nero, il a 15 points. Oui, donc il a 10, une dizaine de points aussi. Hein. Ah, c'est une belle affaire hein, pour ces pilotes. Payne, Sait, Nero, Thomas, Rodgan, Matou, Mac, Cassis. Mac est bien revenu quand même. Rimano, Drizzy, Joe, Mars et Robin qui du coup n'a pas pu faire un tour. Allez. Est-ce que tu veux interviewer les pilotes, mon petit Astro? Je crois qu'il faut. Effectivement. Allez. Commençons par Nero. Eh ben, c'est parti. Je vais les chercher et. On pourrait commencer par... Nero. Ben par le troisième, on pourrait aller chercher Nero. C'est ça. Et coucou Nero, désolé de t'avoir migré comme ça et félicitations pour cette troisième place. Félicitations Nero. Bonsoir à tous, merci, c'est gentil. Troisième place Nero. Alors est-ce que, moi j'ai une question directe à te poser, est-ce qu'il y a eu un côté stratégique avec Thomas, McLaren Est-ce qu'on a voulu laisser passer Nero pour récupérer le plus de points pour le championnat pilote? Alors, pas du tout, il y a eu un overcut, tout simplement. D'accord. Il est rentré au stand, Thomas est rentré au stand avant moi, au 11e ou 12e, je sais plus, de mémoire. Et moi, je suis rentré au tour d'après et il se fait que je suis ressorti devant lui. D'accord, en tout cas, bien joué, bonne course à vous, ouais. À McLaren. Et surtout, vous avez fait vos objectifs, hein. Vous avez été devant Mac et vous avez surtout grappillé quelques points, même quelques dizaines de points sur Cassis. Ouais. Oui. Je sais pas, je suis à combien encore de Cassis, mais bon, je pense qu'il finira quand même devant et beaucoup trop fort. Effectivement, Cassis va être encore devant vous, mais j'ai bien peur pour la première place. Je crois que Payne est passé devant. Oui, Payne, Cassis a du souci à se faire par rapport à Payne, clairement. Tout à fait. Eh ben, félicitations Nero, bravo pour cette course en tout cas. Merci bien. Félicitations à toi Nero. Merci. Et on se revoit la semaine prochaine au Brésil. Brésil. Au Brésil. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bye bye Nero. Et je propose d'interviewer Sait maintenant. Allez, Sait, l'ancien champion du monde de Kokunen, champion du Kokunen. Désolé Sait de t'avoir migré d'une manière sauvage et félicitations. Vraiment, bien joué pour cette seconde place. Allô. Ouais. Ben merci beaucoup. Je m'attendais pas, mais quel spectacle. Avec une Ferrari. Je suis content. Ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réglages? Parce que c'est étonnant avec une Ferrari de réussir en fait à
à avoir ce type de performance, parce que souvent les Ferrari sont à la traîne sur les Grands Prix. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, on est parti sur un réglage vraiment avec très peu d'ailerons, quoi. Vraiment tout dans la ligne droite. On avait quand même un déficit, mais ça suffit pour avoir un bon. Ah, parce que je le remarquais pas trop en ligne droite, ce déficit. Je voyais que avec le DRS, vous arriviez à doubler. C'est ça. Ouais, et DRS et beaucoup de RS aussi. Voilà, j'ai eu cette agréable surprise. Ça a été dur. Comment vous l'avez trouvé, cette course? Ça va, parce que Cassis s'est arrêté assez vite, j'ai réussi à doubler un peu avant, donc Payne est parti loin devant, moi j'étais un peu tout seul, donc ça va. Est-ce qu'on s'est pas trop ennuyé, Saïd? Non, ça va de mon côté, non, c'était bien. P2, je suis content. P2, voilà, c'est ça, on retrouve les bonnes habitudes, hein. on t'a toujours vu dans ces positions-là, sans pénalité, sans rien, on te retrouve et là, poum, P2. C'est ça. Puis une petite P4 avec Rodgan. Donc au chef de la constructeur, on est bien. C'est ça. Bravo. Félicitations et merci beaucoup. Bien joué. Et j'espère que vous avez fêté convenablement en fait cette deuxième place. Bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, au Brésil. C'est ça. Bye bye, Saïd. Bonne soirée. Et le dernier, Payne. Félicitations Payne, bien joué à toi et bienvenue à la loge des commentateurs. Vous avez eu l'air de dominer cette course du début à la fin, il n'y a eu aucun accroc. GG. À tout s'est super bien passé. Est-ce qu'on peut dire Payne l'intouchable sur ce Grand Prix? Ah, grâce à Frédéric Vasseur et sa stratégie hors du commun, j'ai pu être intouchable. Ouais. C'est ça. Pour une fois. Pour une fois, hein, parce que c'est pas souvent avec l'Alpha. Mais bon. Vous avez fini avec 20 secondes d'avance, effectivement. Une course qui a été plutôt tranquille, hein. Vous avez, dès le départ, vous êtes parti et vous avez croqué la première place et vous ne l'avez plus quitté, quoi. Parce que dans les premiers tours, j'avais l'impression que c'était vraiment la bagarre, hein. Vous voyez tous côte à côte, je trouvais que c'était assez sérieux. Mais qu'est-ce qui vous a permis, à votre avis, d'avoir cette efficacité, en fait, de dominer cette course comme ça? Alors, Cassis est parti sans réglage, je pense que ça a beaucoup joué. Il arrive beaucoup de choses au Cassis, mais sinon, je sais pas, j'ai eu beaucoup de réussite. J'ai dû me battre avec la voiture, mais ça s'est bien passé pour une fois. On a vu ça en vraiment tout cas. Je crois que vous êtes vraiment croqué la première place au classement général, en tout cas. Vous la dérobez à Cassis, je crois. Hein, félicitations pour cette performance. Moi, personnellement, je m'y attendais pas. Réussir un tel retournement de situation sur un Grand Prix, il a vraiment pas eu de chance, le pauvre Cassis. Moi non plus. Je m'y attendais pas du tout. Et au final, j'ai l'impression que le titre est faisable avec cette voiture, alors que de base, c'est absolument pas ce que je pensais. Mais bon, on verra pour sur le Grand Prix, hein, pour réussir en fait à tenir votre première position. Hein, il faudra réussir à faire ça. Il y a le Grand Prix de Chine, ça sera le dernier. La semaine prochaine, c'est où est-ce qu'on est? Il y a Chine, Brésil et Russie aussi, je crois. Non, il y a Brésil et Brésil et. Parce que Russie, on l'a pas fait. Si, Russie, on l'a fait. On devait pas le reporter à la fin? Non, c'est la Chine. Chine, ça, je crois. Ah, c'était Chine. La Chine, pardon. C'est ça, la Chine. Ouais, Russie, vous l'avez déjà fait, moi, cher Payne. Et, ouais, et vous étiez absent, d'ailleurs, ce jour-là. Donc, c'est pour ça que vous vous en souvenez plus. Vous étiez absent. Ah, d'accord. Okay. C'est pour ça. Vous la voilà. Félicitations, encore une fois. Et j'espère que vous avez fêté comme il se doit, en fait, cette première place. Ah, le champagne est de sortie. C'est la fiesta. Eh bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci le stream et bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir organisé ça. À la prochaine. Et Lyon, ça fut une belle course, mon cher Astro. On se revoit la semaine prochaine, du coup, pour le Grand Prix du Brésil. Effectivement. On se revoit effectivement la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui a regardé le stream. J'espère que ça leur a plu autant que ça nous a plu le commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ça remet un petit peu de piment, le fait d'avoir un Cassis et un Payne au coude à coude. Je pense que c'est très intéressant, en fait, de voir une course comme ça. Spectacle. C'est...
Ouais, c'était ce qu'il fallait. Il y a un Il n'y a pas eu de 5. chance, le Cassis. Et je crois que je serai un petit peu avec lui la semaine prochaine pour essayer. Tu vois, j'essaie de lui donner du mana un peu pour réussir à. Bah ouais, c'est pas de chance. Il Mais n'y a pas après, eu de ça va bol. se Il n'y jouer a pas eu et de en bol. termes. Et puis surtout que c'est à faute à personne. C'est-à-dire, lui, il avait fait ses réglages à la première course. On a dû relancer juste parce que le jeu a bugué. Tu vois, c'est comme si la chance avait souri à peine finalement. Tu vois, C'est ça, et puis après c'est voilà, c'est Bon, il reste 50 points à récupérer, donc salut les récupérer, et il sera assuré de cette première place. En tout cas, merci. Enfin, merci à ceux qui sont venus sur la chaîne Le Coucounine. Bonsoir à Saï qu'on n'avait pas vu. Et Ross, quoi, qui on n'a pas dit bonsoir, ouais, bon, tiens, Ross, Ross. pardon. Ross. Et bye tout le monde. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne soirée.